Let's go! Qu'est-ce que tu fais, mon amour? Pourquoi tu fais déjà une fellation? C'est Gatineau, ça va paraître toi. Est-ce que le gars de Gildois est là à soir? Non, OK. Ah! Mon amour? Oui? Tu es dans ma ville préférée. Ben, oui, je sais! C'est une ville extraordinaire. L'aréna s'appelle Slush Puppy. C'est... On m'a expliqué que c'est parce que les headquarters canadiens de Slush Puppy sont ici. Pour vrai? Ouais. Êtes-vous là? Non. Yes! Yo, votre slush est bonne. Mettez plus de sucre. Il n'y en a pas assez. J'en ai bu une il y a 9 ans. Je suis pas encore débossé. Fait que tout l'argent de toutes les Slush Puppy vendus au Canada atterrissent ici puis s'en vont dans l'aréna. Ce qui devrait être comme ça. Devrait être comme ça. C'est une économie parfaite. Parfaite. Tout le monde dans la ville travaille pour Slush Puppy. Oui, ça devrait être... C'est ça, faut pas que ça ferme. Faut pas que ça ferme. Ça tient à un fil. Ça tient à une slush. Oh yeah. Mon amour. Oh yeah. L'épisode de cette semaine est une présentation de Polysleep. Polysleep, c'est un super matelas. C'est extraordinaire. Si tu nous écoutes, il y a une chance sur deux que tu as un matelas sale. Généralement, quand tu tripes sur moi, tu tripes pas sur laver tes draps. Alors, Polysleep. Achète-toi un nouveau matelas, puis peut-être que les filles vont rester plus que 15 minutes chez vous. Essaye! Essaye. Alors, Polysleep, c'est quoi le code promo? Avec le code promo COUPLE, vous profitez de 25 % de rabais exclusif maintenant sur tout le site. Yo, 25 %, let's go! Ça veut dire aussi sur les oreillers. Tu sais, j'ai vu aussi qu'il y avait un oreiller que c'était juste parfaitement un angle comme ça. OK. C'était droit, comme ça. Je sais pas qui prend ça. Qui prend ça? Qui dort dans juste ce petit... Quelqu'un qui a des reflux gastriques, oui. Sûrement. Il y a un truc que je vais mettre au clair. T'as des reflux? Non. Pourquoi tu détestes mes oreillers? Hein? Tu détestes mes oreillers? C'est vrai, je les pousse tout le temps. Oui? Qu'est-ce que t'as contre mes oreillers? Ils sont comme tout en mouton. C'est ça qui est bon? Je sais pas. Puis ils sont tout le temps au milieu du lit. Mm-hmm. Fait que quand j'arrive dans le lit, je les repousse à leur place. C'est tout. Je suis comme retourner chez vous. Ils sont tout le temps en mouton, à moitié sortis de la tête, c'est tout. C'est pas grave, là. C'est juste qu'ils peuvent vivre de leur côté. Toi, qu'est-ce que t'as à dire pour eux? Tu pourrais dire, ah, ça sent toi, j'aime ça. Ben non. Tu dis, ben non, ça sent toi, je les repousse. Super cool. Mon amour, on a appris une grande nouvelle. Ah oui, hein? On a appris l'existence d'un gars qui peut être nominé comme étant le meilleur gars. Ah oui? Je sais qu'à coupe ouverte, on lit des dates et on aurait une demande spéciale. S'il vous plaît, si t'es une vieille personne, pas une vraie vieille personne, pas j'ai 32 ans, mon dos me fait mal, vieille personne, là. Une vieille personne, 60, 70, 80, écris-nous des dates. 60. Il y a des gens qui vont être tristes que tu aies dit 60, que les Pourquoi? Gens sont vieillis à 60. Mais disons qu'il meurt du cancer. Elvis est mort à 42 ans. Fait ouais. Que pour moi, être vieux, c'est après la mort d'Elvis. C'est... Oh! Fait que pour moi, être vieux, c'est vivre après qu'un gars qui prend des pilules depuis l'âge de 19 ans. Oh. T'as-tu hâte de voir le film sur Elvis? Non. Oh. Parce que tout ce qui est bon d'Elvis, c'est lui qui fourre des filles de 14 ans. Pis lui. Qui... Peut-être qu'il y a une heure du film consacrée à ça. Ah ben, je suis là. Bon, mais c'est ça. J'espère que c'est en 3D. Ou son idylle avec Anne-Margaret. C'est pas une idylle, c'était sa maîtresse. OK, mais c'est synonyme, c'est quoi le problème? Mais je pense, idylle, c'est « Ah, oh, on aurait pu », mais moi, je pense qu'il le faisait, là.
Ah, idylle, c'est, tu penses que c'est juste qu'il aurait pu? Oui. Tu penses une hypothèse? Oui. Tu dis j'ai une idylle, c'est juste dans ta tête? Oui, comme moi j'ai une idylle avec Scarlett Johansson. Ah! C'est une idylle. OK, parfait. J'espère qu'elle dit la même chose de moi. Quand tu chies une idylle avec Thomas Levac. You wanna know? Couple ouvert. Ah. Avec les personnes âgées, vieux, s'il vous plaît, écrivez-nous des dates. Votre vie sexuelle et sentimentale nous fascine. On dit ça parce qu'il y a une des amies à Steph qui nous a expliqué que son père, c'est une petite agace. Son père est divorcé, puis voici c'est quoi, voici sa vie sexuelle. Il va dans des soupers rencontres, il va danser avec des femmes, il les excite, puis il s'en va. Fait qu'on en veut plus des histoires de même. De... Puis aussi, ce qu'il fait, à chaque fois qu'il va voir sa fille, parce qu'elle habite à Gatineau, puis lui habite à Montréal, il se voit une fois ou trois semaines, à chaque fois qu'il se voit, il demande de prendre des photos de lui. Fait qu'il veut que c'est avec ses petites chemises, mais il va me prendre une photo. Mais c'est quand même une bonne affaire qu'il soit en chemise. Imagine s'il était en chest. Bon, belle affaire! T'excites, les madames. Et s'il y a des madames qui nous écoutent et qui ont une sexualité débridée, écris-nous. Écris-nous, on va lire toutes tes dates. Dans les centres de personnes âgées, il paraît que ça se passe. Oh, ouais. Est-ce que tu penses que tu vas être le roi de ton centre de personnes âgées? Je vais mourir avant. Tu penses? Ouais. Non, toi, t'es... Non, mourir, j'aurai un accident de char où je te tombe dans un trou. Quand il est mort, Thomas, il y avait un ravin, mais il est tombé, comme le coyote. Mourir comme le coyote. Puis là, je vais trouver ça hilarant. On pensait pas que c'était un vrai tunnel. Penses-tu que... OK, on fait une promesse. Tu aurais pu changer de main. J'y ai pensé, mais ça me tentait pas. On est monogame, ça se passe bien. Ouais. Mais j'ai des idylles. Qui est sexuel selon toi, c'est génial. Ça va bien. Mais quand... Si on se rend au centre des personnes âgées... Oui. Là, c'est ouvert. On devient couple ouvert. On devient couple ouvert quand on est vieux, puis quand tu fourres, il faut qu'il y ait un préposé qui te vide. Il faut que l'État paye... Des immigrants, parce que c'est juste des immigrants qui font ça pour vider la madame. Et pourquoi tu sois comme... Mais ça, c'est ta face quand t'es vidée. Tu pètes en même temps. Toi, tu vas juste pouvoir venir avec une sonde. On se le promet? Promis! Promis! Sur cette promesse dégueulasse, voulez-vous accueillir notre invité? Ouais! Mesdames et messieurs, pour Gatineau, on va vous inviter la personne qui incarne, selon moi, le plus Gatineau, même s'il n'est jamais venu ici. Mesdames et messieurs, donnez énormément d'amour pour Poseidon. Ouais! Tu le mérites! Merci, mais merci tout le monde. Merci à Tom et Steph aussi de m'avoir invité. Plaisir. J'apprécie. Juste merci mentionner. D'être là. Dans les coulisses, il y a un frigidaire qui est connecté à Spotify. Puis ça fait une demi-heure qu'il appelle du monde. Il appelle du monde avec le frigidaire puis il traite de paysan. Il appelle le monde, il fait « Yo, t'es un paysan! » Puis imagine te faire traiter de paysan par Poseidon, ça fait mal. Par Poseidon qui parle à un frigidaire! Oui, moi, je pas ça, il est à coke, il est mêlé, parce qu'ils ne savent pas que c'est un frigidaire. Imagine, Chapelle, je te parle d'un frigidaire. Hein? T'es gelé, man, il est tôt. Tu veux savoir, la pire chose, c'est que... Je veux tout savoir de toi. avant, les frigidaires intelligents... T'es pas intelligent, juste mettre pas les fesses sur un frigidaire. Avant, c'était juste coller une radio, c'est pas... Ouais, mais je les critiquais. J'étais comme, c'est bien stupide qui utiliserait ça. Toi! Poseidon, on va rentrer dans le vif du sujet. T'étais à Atlanta il y a trois jours. Ouais. Qu'est-ce qui s'est passé? Conte-nous tout. T'étais où? Pourquoi? OK, fait que Mike,
Mike Ward. Oui, Mike Ward. Et Pentelis, ton ami de tous les jours. Ouais. Mike Ward est fou et incroyable en même temps. Mm-hmm. Meilleure discussion. Il a dit... il voulait, comment qu'on dit... Faire de la pub. Oui. Faire de la pub pour le combat de Olivier Aubin. Ouais. Vous le connaissez bien? Oui. Puis là, il s'est dit, oh, fuck that, on va aller à Atlanta. Puis il a acheté des billets juste ringside, là, juste à côté du octogone. Puis on était juste à côté. Puis on était les seuls. Quoi? On était les seuls, c'était une section juste pour nous. Là. Wow! Oh, ouais, genre, j'avais pas compris au début, j'avais pas catché, mais nous, nos passes disaient VVIP. Oui. Ah. Fait que t'étais très, très important. Oui. Mais c'est quoi la différence entre ça puis l'écouter à cage au sport? Ben. Parce que si tu fais un endroit puis tu peux parler à personne d'autre, c'est comme être à cage au sport. Un soir où il se passe rien. À 3h l'après-midi. Ouais. Ben la différence entre les deux, c'est que quand tu reçois du liquide sur toi, c'est probablement du sang des combattants et pas la salive de l'imbécile à côté de toi. Très belle différence. Très belle différence. Êtes-vous prêts des ring girls? Si on sait quoi? Les ring girls, les madames qui disent c'est quoi les rondes. Oui, il y avait deux. Il y avait deux ring girls. Oui. C'était cool. Il y avait une qui était très en forme. Puis l'autre? L'autre était asiatique. Peux-tu, je t'en prie, nous expliquer qu'est-ce que tu veux dire? Ça fait 5 minutes. Une était très en forme, mais l'autre asiatique. Qu'est-ce que... Genre, les deux étaient en forme, les deux étaient des très belles femmes. Les deux étaient des femmes! OK, oui. Ça va être bon. OK. Est-ce que tu as interagi avec elle? Excusez? As-tu interagi avec les dames qui montraient les... Non, okay, non. Je voulais pas... Premièrement, je ne suis pas célibataire et je ne veux pas avoir l'air de ce gars-là. Tu comprends? Tu comprends. Le gars, hey, ton marché avec la ring girl. Moi, ouais, je pense pas. Tu sais, tout le monde est en train de crier après. Ouh! Ils sont en train de siffler pis tout. Puis t'as juste moi qui... Hey, moi, je suis VVIP. Puis c'est quoi, de toute façon, ta phrase? C'est quoi? Qu'est-ce que tu y dirais? Bravo pour votre beau travail. Oui! Hey, sans toi, je ne saurais pas quel rôle on est rendu. Ah oui! Excusez-moi, on est... Ah oui, 4! Ah merci. Oui, merci, c'est gentil. Non, mais honnêtement, je veux dire quelque chose. J'ai réalisé juste à la moitié de la soirée qu'elle tenait les rondes. Pour vrai, à un moment donné, j'ai fait, mais pourquoi qu'elle marche autour de l'octogone comme des connes, là? Là, j'ai regardé... J'ai juste fait ça. J'ai regardé un peu plus haut, puis j'ai fait... Ah! Je respecte ce joke-là. Là, vous avez... il paraît que tu t'es fait séduire à Atlanta. Ouais, parce que c'est une ville très... gay. Okay. Non. Ah oui? Oui, Atlanta, oui. Ah oui? Oui. Ah, c'est connu, ouais. Il y a même des tunes, je pense. Des tunes? Des tunes de rap. Il n'y a aucune tune. Hein? Des tunes de rap gay? C'est très rare, le rap homosexuel. Il y a Lil Nas X, puis c'est tout. Généralement, les rappeurs sont homophobes. C'est plus ça. C'est vrai. Plus de tunes homophobes. Mais c'est ça qu'ils essaient de dire. Genre, c'est très... Quand tu entends parler d'Atlanta dans les tunes hip-hop et rap, c'est homophobe. Ah. Okay. Ou c'est des coming out cachés. Oui, c'est des coming out cachés. Ou tu décèles le code. Peut-être, je sais pas. Me and my boys. Down in Atlanta. Dis de même, c'est cochon. Mais, premièrement, on a volé first class. Okay. Oh. Et moi, j'adore manger la bouffe sur les avions. Okay. Juste pour les comparer à la bouffe... Régulière. OK. Puis honnêtement, la bouffe de first class, ça coche. Meilleure que la bouffe sur la Terre? Pas toute. T'sais, certains, t'sais, mais honnêtement, là... C'est quoi la différence? Il y a plus de fruits de mer? Non, c'était juste... Je sais pas, ça goûtait mieux. Qu'est-ce que t'as mangé? Du poulet avec des chickpeas, je pense. T'as l'air de la pire affaire. On dirait un repas de prison. Non, mais c'était... First class, du poulet sec avec des petits pois. Pas n'importe où tu peux trouver ça, des petits pois. Juste VIP 6000 pieds dans les airs. OK, donc première classe.
Ce que j'étais pas habitué, c'est qu'on avait des ustensiles vrais. OK. Comme en coach, t'as des ustensiles... Où tu vis, gros? T'es pas un itinérant, là! Non, mais t'es dans un avion, c'est surprenant, c'est cool. T'es comme genre, j'ai un vrai une couteau. Vraie fourche. Ouais. Sur un avion, c'est cool. Moi, je trouve ça cool. Ça montre à quel point je suis tant que t'es heureux. Mike, honnêtement, il pourrait me foutre dans le container de comment on dit, les luggage? Oui. Puis je serais content. Je comprends. Est-ce que les vrais ustensiles en première classe, c'est plus ou moins cool que parler à un frigidaire? Excellente question. Comme à quel point t'es starstruck, là, par... Plus cool. Plus cool les vrais plus ustensiles? Cool. Hein? Ouais. OK. Parce que t'es dans un avion, mm-hmm. Puis tu dis... Je peux poignarder quelqu'un en ce moment. Je peux faire l'11 septembre, c'est ça? Je peux! J'aime que tu peux pas apporter de shampoing, mais il donne un couteau. C'est ça! C'est super pour le terrorisme. Mais je le ferai pas. Oui, mais oui, je suis la personne qui croit. Vous le précisez. Imagine! Pas Air Canada, mais mettons, les douanes regardent ça. Oui. Puis il est flagué. Ah oui. Puis hein. Il pense que c'est un terroriste. Non. Ah, ça serait extraordinaire que tu puisses plus. Ah ouais, bref. Ah, ce serait. Donc là, t'es. Mais qu'est-ce que. Qui t'a séduit à Atlanta? Ah, on est allé à un liquor store. Comment qu'on dit en français? Ben, une SAQ de liqueurs. Commission de liqueurs à Atlanta. Puis à un moment donné, il y avait comme un petit monsieur qui me suivait. OK. Puis là, je pensais que c'était un employé parce que je le voyais du côté de mes yeux. Puis j'étais comme. Il tenait un iPad. Puis il marchait comme si, genre. Comme s'il pensait que j'allais commettre un crime. OK. Mais c'était bizarre parce que c'était lui, le noir. Non, c'est une joke. Génial. Un autre 5 minutes. Non. Joke raciste à chaque 5. C'est malade. Puis il marchait un peu bizarre. On peut pas juste continuer l'histoire là-même. Là. Pas juste... OK, il marchait un peu bizarre. Un peu bizarre, puis là, je suis comme... Mais y'avait-tu l'air de te filmer avec son iPad? Ah, c'est peut-être ça, non, il le tenait comme, genre, il le caressait, genre... On dirait qu'il avait froid. À Atlanta. Ouais. OK. Oui, il était gêné, un des deux. OK. Je pense gêné. OK. Oui, okay. Parce que t'es une gêne. Je sais pas comment je peux susciter la gêne de quelqu'un, mais en tout cas, c'est pas grave. Mm. Puis là, je pensais que c'était un employé, fait que là, je me retourne vite... Puis là, je le regarde, je fais « Hey, est-ce que tu travailles ici? » Puis là, je réalise que c'était pas un employé. Mais là, il me donne full d'attitude, il me fait « Non. » Je suis comme « Ah, OK, je m'excuse. » Fait que là, je continue. « J'ai des vraies ustensiles. Tu t'es fait chipper par un inconnu? Chipper? Chipper, c'est avec le bec, mais je l'ai raté. Ah, là. Ouais. Là... Parce que... OK, mon amour. Excuse-moi. All right. Donc. Oui. Puis là, je continue à marcher. Je regarde différents alcools. Ils ont une grosse sélection d'alcools. Puis là, il s'approche de moi. Puis là, il me dit « Hey ». Puis là, je fais « Hey ». Puis là, il me dit « T'aimes-tu ça boire ?» Je dis « Ben, de temps en temps. » Tu sais, des fois oui, des fois non. Puis là, il me dit, OK, tu demandais c'était où les cigares. Ici, on a juste de l'alcool, mais tu sais, au comptoir, il y a probablement des cigares. Je suis comme, ah, OK, cool, merci. Il me dit, est-ce que tu aimerais ça boire avec moi? Ah. Puis là, je suis comme genre, non, c'est correct, merci, j'apprécie. Mais non. Puis là, le gars, il s'énerve, puis il dit, OK, mais pourquoi tu m'as demandé si je travaillais ici? Ah. Puis là, j'étais comme, ben, je sais pas, man. Genre, tu marchais full vite, puis du coin de mon œil, je pensais, je sais pas, t'es un employé, là. Tu me suivais. Puis il fait, ah, OK. Puis là, il dit, puis je sais pas qu'est-ce qu'il m'a dit après. Puis là, il me dit, ah, mais tu sais, on pourra aller dehors parler, ou quelque chose. Puis je suis comme genre. Puis là, genre, il me fait comme un chaud-froid, chaud, mm-hmm. Genre, mm-hmm. Tu sais. Ça fait que je suis comme, OK. Donc là, je dis non, merci, merci beaucoup. Je vais t'es, passer. T'es très poli pour la personne la plus désagréable que j'ai. Non, mais du coup, tu es un employé, tu veux-tu boire avec moi? Il y a des cigares là. Yo, tu sais quoi ton problème? Il est super. Puis il est parti, puis pour un moment, j'ai fait, oh shit, c'est comme ça que les femmes se sentent. J'étais comme, j'ai enfin compris.
Mais moi, je suis plus souvent dans les situations inverses. On dirait que j'ai comme une face de service à clientèle. Dans tous les magasins où je suis, on me demande des affaires. Tu veux? Tout le temps. L'autre jour, j'étais accroupie au Walmart en train de ramasser des affaires dans la dernière rangée. Puis là, une madame est arrivée avec son panier à côté puis elle était comme, « C'est où les paniers à linge? » Oh, mais ça, c'est ta... Je sais pas. Mais ça, c'est ta faute. Pourquoi? Parce que tu y vas en jogging. Ça veut dire que t'es habillée tellement... T'es habillée aussi mal qu'un employé de Walmart. Ça se peut pas que ce soit par choix. Mais non. C'est un uniforme. C'est quelqu'un qui l'a obligé à porter ça. On est obligé d'avoir l'air aussi désespéré. Oui. Je comprends. Puis elle me lâchait pas, elle arrêtait pas de me poser des questions. Puis peut-être qu'elle avait fait l'amour comme. Non, je pense pas. peut-être que c'était une femme avec âgée, avec une sexualité particulière. Peut-être qu'elle va nous écrire. Elle veut juste. Elle s'est essayée, tu penses? Oui. Les vieux n'ont pas des sexualités particulières. Ils ont juste encore une libido, mais c'est nous qui avons un regard particulier par rapport à eux. OK. C'est la chose la moins profonde qui a été dit. Fait que là, tu vas te cruiser par un jeune nain qui a un iPad puis un problème d'attitude. Ouais, exactement. Ça part bien voyage. Ouais. Mais puis aussi, il y avait loué une grosse maison puis on chillait puis c'était incroyable. Je me suis habillé comme fucking Tony Montana. Génial. Pour la. J'avais l'air. Honnêtement, j'avais l'air comme si la place m'appartenait. Non, je suis sûr qu'il y a personne qui t'a vu en disant la place y appartient. Je suis convaincu. T'as l'air du propriétaire du Slush Puppy Arena. Oh my God, le propriétaire du Slush Puppy Arena est ici. Oh my God. Qu'est-ce qui s'est passé avec les avions? Oh shit, Air Canada, une compagnie très mauvaise, a décidé de juste. C'était-tu vendredi ou samedi? Okay. Je perds mes journées. Je pense vendredi matin, on se réveille, puis on a des courriels de Air Canada puis qui dit « Votre vol a été annulé. Tant pis pour vous. » OK. C'est-tu écrit « Tant pis pour vous? » J'espère que oui, man. Non, votre vol est annulé. Tant pis pour vous. Hey, les VVIP, not anymore. Yo, les ustensiles n'auraient plus. On sait à quoi t'as pensé la dernière fois qu'on t'a crissé un couteau dans les mains. Fini. Vous recevez le email? Ouais, on reçoit le email que c'est annulé. Puis là, on commence à paniquer. Puis là, Mike, il a comme. Il s'est dit. Parce qu'on avait des. Mike, il y avait deux shows back-to-back samedi là, à Brossard. Toi okay, aussi, tu travailles pas très. Ouais, mais le plus important, bien sûr, c'est que Mike soit sur scène. Exactement. Ouais. Ouais. Ça serait génial si Mike peut pas être là. Puis tu fais allô. C'est moi la commission soir, des droits de la personne. C'est incroyable. Puis là, il a essayé de trouver un ticket. Il y avait un dernier. Le moment qu'il a pris... Attends, juste time out. Ouais. Peux-tu... T'aimes ça faire des accents? Ouais, mais ils sont pas bons. Ah, ça fait 5 minutes. Allez-y. Peux-tu, je t'en prie, imiter Mike Ward? Oh, shit. Je crois que tu peux imiter des Noirs, des Maghrébins, mais pas Michel Ward. Mais il n'y a pas vraiment d'accent, je pense. Ben, il y a un accent, oui. Il y en a un. J'ai jamais entendu personne parler comme ça. Attends. Oh, concentre-toi, man, c'est du théâtre. Ah, mais ça va être terrible. Ah, c'est, ça rend mieux! On t'écoute, Puis là... Quoi? Continue. Puis là, je suis allé pour cliquer sur... Non, Mettons, raconte les ustensiles dans l'avion. À Mike Ward. Genre, avec l'accent de Mike? Oui, ça c'est juste. Oui, tu l'as déjà compté. Sur le but, c'est faire l'accent, mais pas juste. On t'écoute. Ok. Attends, là. Puis là. Attends, non. J'arrive pas. C'est... Mais tu l'as! Tu l'as! Mais c'est parce que tu l'as mieux que le Maghreb! Maghreb! Puis là, je suis sur l'avion en first class. Puis là. eux sont des hosties stupides. Ils sont des cons parce qu'ils me donnent des couteaux puis une fourchette. Mais eux, ils savent pas qu'est-ce que je peux faire avec ça. Je sais pas. C'est grandiose! C'est grand théâtre! Merci, mais je trouve que ça a été... Alors, vous avez le courriel. Tant pis pour vous. Ouais, tant pis pour vous.
Puis là, Mike est en train de paniquer, puis ben pas paniquer, mais comme genre shit, on a besoin de retourner pour le show puis tout. Puis là, il décide de juste booker un jet privé. Hein, comment il fait ça? Ben premièrement, il a appelé quelqu'un. Attends. Oui, vous... Non, il a checké en ligne sur une compagnie. Puis là, il s'est dit, ah, je fais pas tant confiance. Fait que là, il a appelé Andrew Schultz, parce qu'on a eu Andrew Schultz sur oui. Coach slash To Drink Minimum. Puis là, Andrew Schultz l'a aidé. Puis enfin, il en a commandé un. Ça, tu sais que dans une autre classe sociale, c'est un ami qui sait comment trouver un avion. T'es à un coup de téléphone. Ouais. Moi, généralement, j'appelle des amis pour savoir la 45 Papineau à passe-tu la nuit. Je pas, hey, où c'est que je pourrais avoir un jet privé, boy? Puis c'était juste, c'était une expérience malade pour moi parce que moi, je suis juste comme là. Je suis juste là, tu sais. Je sers littéralement, genre. Ça a coûté combien? Il te l'a-tu dit? Je m'en rappelle pas. Je pense. 27 000? Ouais, 27 000! Dit, oh, 27 000 US! Ouais, US! Bah, et comment étaient les ustensiles? C'est en diamant? Mais, honnêtement, j'étais triste. Il n'y en avait pas. Ah oui, c'est ça. Mais non, c'est ça. C'est un petit jet privé. Mais Yann, il a demandé pour des pâtes. Mais il n'y avait pas d'ustensiles. Yann, ouais, Yann, il a demandé pour des pâtes, mais c'est pas un jet, genre... T'sais, non, c'est genre, ça. Je pouvais même pas me mettre debout dans le jet. OK. Genre, il a fallu que je marche. 27 000 piastres, puis c'est un petit jet de pauvre. Non. OK. Pour vrai, j'étais plus confortable qu'en avion. OK. Moi, je, mais même... c'est un avion, mais... Ouais, mais gentil, c'est tout quoi. Oui, tu vois, oui, je l'ai calé. Moi, le monde, ils prennent les avions bus. Moi, j'ai pris l'avion limousine. Je comprends. Fait que Yann a pris des pâtes, mais comment ils ont mangé? Il a des pâtes, puis là, parce que Mike, il demandait qu'est-ce que vous aimeriez manger, avez-vous des préférences? Puis là, Yann, il lui dit, as-tu des pâtes? Y a-t-il des pâtes? Il a dit, mais non, il n'y a même pas de four dans le... Comment tu veux que le gars, il arrête au supermarché pour que t'achètes des pâtes ou quelque chose? Puis Yann, il était pas content. Il était pas content? Non. Yann, okay, ça a été génial que Yann, il boude. Moi, je voulais des pâtes. Ça aurait été génial. Puis il fait 2 heures sur Twitch là-dessus. Avec là, l'autre jour, y a-tu des questions? Oui, là, l'autre jour. Je voulais des pâtes. Mais ce que j'ai trouvé cool sur le jet, c'est que quand t'es en avion avec les paysans, on dirait... on dirait que tu peux pas parler fort. T'es toujours en train de chuchoter. Je sais pas. Tom, il sait pas, non. Ah. Il relate pas à ce que tu viens de dire. Mais ça, c'était j'imagine. Cool. Parce que... oh my God, parenthèse. L'autre jour, je suis dans un resto à côté du studio de Pentelis. Puis on se rejoignait pour un enregistrement. Puis je me disais, oh, je vais arriver juste un petit peu d'avance pour manger une soupe tonkinoise juste à côté. Je mange tranquille toute seule ma soupe tonkinoise. Puis lui, il enregistrait un Deux Princes le matin. Fait que c'est pour ça qu'on n'était pas ensemble. Parce qu'on est vraiment tout le temps ensemble. Fait que je mange ma petite soupe. Puis là, un moment donné, j'entends quelqu'un rentrer dans le resto. La serveuse a fait, est-ce que c'est pour une personne? Et là, la personne répond, oui, une seule personne! Puis je suis comme, tabarnak! Et là, je me suis dit, j'aimerais avoir une once de la confiance en soi que cette personne-là a. Et là, c'est lui qui vient s'asseoir. Premièrement, je peux pas croire, j'ai pas reconnu sa voix. Puis deuxièmement, j'en reviens pas que moi-même j'ai fait. Ah, ben élevé, ce petit gars-là, man. Tout le monde mange la petite soupe tranquille un vendredi midi. On est 6 dans le restaurant. Une seule personne! Puis là, après, il est tellement dans sa bulle, il s'assoit devant moi. On est face à face, à une table de différence, comme ça. Là, je suis comme, mon amour. Mon amour. Regarde le menu. Je suis comme, pourquoi il est en représentation? À qui, c'est quoi sa vie? Mon amour, il a fallu que je me lève. Mon amour, tu peux venir t'asseoir avec moi. Ah! Oh! Et voilà. C'est l'homme de ma vie.
levé tout le temps. Ça n'a pas de sens. Donc, excuse-moi. J'ai fin beaucoup de la parenthèse. Oui. Donc, excuse-moi, je t'ai interrompu, en fait, dans ton... J'ai oublié ce que dans je... T'étais dans l'avion avec Yann Thériault qui voulait des pâtes. Ah, ouais. Mais enfin, il n'y avait pas de pâtes. Il y avait juste des chips, des peanuts, puis des choses comme ça qui est cool. C'est dans... bien. Ben oui. Moi, je m'en fous. Moi, je suis en jet privé, là. Ouais. Oui. Moi, tu pourrais me donner juste de l'eau, puis je vais être comme genre... T'sais. Oui. Jet privé life. C'est ça. Mais ce que j'ai trouvé cool de ça, c'est que parce que tu es avec ton monde, on dirait que tu peux parler... Tu peux déconner, tu peux dire des conneries. Tandis que quand t'es dans un avion, t'es avec d'autres étrangers, puis t'es comme un peu genre. Tu peux pas être toi-même. Je comprends. Moi, oui, tu les respectes. Je comprends. Tu respectes les autres que tu connais pas. C'est ça. Tu peux pas juste crier je veux des pâtes. C'est ça. J'aime qu'être toi-même pour Yann Thériault, c'est chialer comme votre pâte. Tu sais, cette année, quand on a fait un vol ensemble, mais qu'on l'a réservé vraiment tard, fait qu'on n'était pas assis ensemble. Puis là, tu venais tout le temps me voir pour voir quel film j'avais choisi. Puis là, dans le 6 mois après, on a vécu les moments de... Ah, oh, ça, on l'a pas vu. Non, je l'ai vu tout seul dans l'avion. T'es cool. Qu'est-ce que t'avais écouté, donc? Moi, je me souviens, j'avais écouté Hail Caesar. C'était bon. C'est pas oublié que ça. Je me souviens... Mais moi, j'allais te voir, puis je me disais, je m'ennuie, puis je revenais. C'était ça, mon film. Oh non! Non! J'ai écouté un documentaire sur Martin Luther King pour m'endormir. Ça a marché. Ben, c'est bon. Oui. Parfait. Je me suis réveillé, puis c'était ses funérailles. Puis, wow! Oh! Time goes by. Ah oui. Peut-être que s'il prenait son trou, il aurait pu ça. Non. Je sais pas pourquoi. Super. Poseidon, t'es la troisième voix de deux princes. Oh yeah. Oui. Oh oui. Yeah. Merci. Merci. Félicitations pour tes interactions délicieuses. Ouais. Et l'épisode qui porte ton nom est un de mes épisodes préférés. C'est quoi un de tes moments préférés à Deux Princes ou qu'est-ce que t'as appris à Deux Princes que tu retiens? Rien, parce que après chaque enregistrement, je me suis dit, il faut que je supprime ça de ma tête. T'as pas de place. Même passer une heure avec Phil puis moi, c'est non. Pas de place dans ma tête. Mon bout préféré, c'est Maxime qui apprend de connaître et qui en revient pas. Oui. Maxime Gervais qui n'en revient pas. Oui, sa réaction était. Ouais. Tu parles pas à ta famille? Des guns? Poke. C'est génial. C'est extraordinaire. Ouais. Mais je te dirais, mes parties favorites de Deux Princes, c'est quand, des fois, je décide de... Pas de tirailler, mais en fait, un peu de tirailler un de vous deux. Mm-hmm. Des fois, je vais aller avec Phil juste pour, tu sais, juste pour te tirailler. Ou, la majorité du temps, je préfère aller avec, de ton côté pour tirailler Phil, parce que ses réactions sont plus drôles. Ouais. Mais j'ai comme appris à jouer un peu... Ouais, t'es excellent. Ouais. Merci. Ouais, d'accord. Good job. Moi, je suis fasciné par ta vie sexuelle et sentimentale. T'as rencontré ta blonde comment? C'était l'année passée, c'était sur Instagram. Wow. Elle m'a suivi. Rien, ça, c'est très moderne comme rencontre. Elle m'a suivi. Là, je suis allé regarder son profil. J'ai fait, je la trouve cute, puis je lui ai envoyé un message. Qu'est-ce que tu as écrit? J'ai écrit... je vais le dire en anglais. Mm-hmm. Je vais dire... Oh, sorry about that. I seem to have accidentally walked into your DMs. Puis j'ai mis un bonhomme qui marchait. Fait que je m'excuse. Ça a marché! Yo, le jeu marche! Le jeu marche! Le jeu marche! Ça a fonctionné! Comment elle a réagi? J'espère que mieux que Steph. Ben, elle m'a dit... ben, on a commencé à parler, puis après ça, on s'est rencontrés. OK, comment la première rencontre, c'est... Comment... Je suis même! OK, ben, c'était durant la pandémie, puis elle habite à Québec. Puis elle est venue me voir. Wow! Puis... La vérité.
ouais. La vérité, avant qu'elle soit venue, est-ce que vous êtes vu tout nu? Oui. Mais, okay. mais, moi, juste une partie. OK. Oh. Ça... Pas le complet, parce que le complet, ensemble, c'est... OK, on va prendre un moment pour tout savoir, ça. Non, mais on faisait beaucoup, honnêtement, on faisait beaucoup de sexting. C'est ça qui m'intéresse. Puis c'était devenu... Comment tu sexes? Non, mais avec la voix, là? Non, par écrit. OK, fiu. Ouais. Je pensais que c'était ton équipe. Ben, on... Comment ça a commencé? Je sais pas, honnêtement, je m'en rappelle même pas. Il faut que j'aille regarder mes messages parce que. T'as tu tes messages? C'est le premier message, c'est regarde, je suis en train de marcher, puis là, hop, je suis bandé! Est-ce que t'aimes ça? Oui! Ben, ça a commencé un peu avec du dirty texting, je m'en rappelle. Qu'est-ce que t'avais écrit, là, dirty? Je m'en rappelle. Bon, mais genre. Probablement ce que j'aurais dit, ce que j'ai dit en pensant en moi. J'aimerais tasser tes culottes du côté avec mes dents. Oh! Probablement, along those lines, en fait. Je suis en train de... Avec la faute, c'est tellement cochon! C'est comme, normalement, j'aimerais tasser tes culottes avec mes dents. Non. J'aimerais tasser tes culottes du côté avec mes dents. Extrêmement érotique. Mais on s'écrivait des paragraphes à un moment donné. Puis des moi, paragraphes? Ouais, mais moi... Qu'est-ce que t'écrivais? Moi, j'aime beaucoup... je sais que ça n'a pas de l'air, mais j'aime beaucoup les histoires puis les scénarios puis tout. Puis... Puis tu nous décris des histoires que t'apprécies. Ben, récemment, que j'écoutais un livre en venant ici. Audiobook. Attends, en char, t'écoutes des livres audio-érotiques? Non! Tabarnak! Let's go, Emmanuel! On remonte dans le temps, ici. OK, bien, je t'ai coupé. Qu'est-ce que t'écoutes? J'écoutais Lenny Bruce, How to Talk Dirty and Influence People. Comment parler... Oui. Sale et influencer le monde. Oui. Sauf que moi, je sais que je pourrais jamais influencer quelqu'un. Non, tu m'influences. T'as influencé deux princes, donc t'influences beaucoup. Ouais. C'est vrai, non, Mais. T'as influencé une femme de Québec à sortir avec toi. Ouais. Avec une super ligne de j'ai marché dans tes DM, mais une petite madame qui marche. Mais j'écoute ce livre-là, puis il parle beaucoup de sa vie, puis il parle des moments. Un peu pervers. Genre, à un moment donné, dans le livre, il parle de comment il est allé au docteur, à l'armée. Mais là, l'infirmière, et c'est une affamée, genre. Elle n'a pas baisé pendant longtemps, apparemment. Puis là, apparemment... L'infirmière, je te garantis que c'est une affamée! C'est mieux de même! C'est mieux de même! C'est une affamée! Mais c'est moi qui dis ça, en fait. Tu sais, le film de Bruno... le film de Robin Aubert, Les Affamés, c'est toutes des filles cochonnes. Ah oui, c'est toutes... Toutes des filles cochonnes, puis c'est... C'est des infirmières qui ont fait 60 heures, ils n'ont pas le temps de baiser. Puis ils tirent tout! Ils tirent tout! Ils traversent le boisé. Ah! D'accord. Puis là, ça part de comment... Elle a déboutonné sa chemise, puis là, elle en voulait de lui, puis tout, puis c'était un peu érotique. T'écoutes ça en char? Ça part de sa vie, c'était juste un extrait de sa vie. Mais c'est tout ce que tu te souviens? Ouais. Ben, c'est quand même mémorable, tu sais. C'est génial qu'en char, tu bandes. Ben, parce que j'ai pensé à une infirmière, tu sais, en mini-jupe. Ben, oui. Okay, qui veut juste genre... OK, ça, j'aime ça. Qu'est-ce qu'elle veut? Elle veut quoi? Elle veut Ah, elle veut faire une fellation. Ben oui. Elle est excitée. Peut-être là. Pas. Moi, je suis en train de penser à une infirmière en mini-jupe excitée. Fait que je suis comme genre, shit. Ils ne portent pas de mini-jupe, les infirmières. Ils portent des longs pantalons bleus. Non, dans le temps. Ah, dans le temps. Ça part de sa vie. Lui, il est allé à la Deuxième Guerre mondiale. Je comprends. Fait que dans le temps, les infirmières étaient en mini-jupe. Parce qu'à l'époque, pour ceux qui ne savent pas, là, pour ceux qui ne connaissent pas l'histoire, les infirmières à la Deuxième Guerre mondiale, tout ce qu'ils faisaient, c'est sucer les soldats.
Ça, c'était avant qu'il y ait un syndicat. Là, il est arrivé Simone de Beauvoir, puis ils ont arrêté. OK, quel autre... C'est quoi les scénarios érotiques qu'elle te décrit, qui t'a excité? Ah, mais juste, qu'est-ce qu'on allait faire quand on allait se voir, des comme choses quoi, qu'est-ce même. Que vous allez faire? Mais ça va, pas trop dans les détails. Ah, aimez-vous les détails, Gatineau? Ben, j'avais écrit que comment qu'elle, quand qu'elle allait venir, puis j'allais la mettre contre le mur, puis que j'allais la faire venir en 2 minutes, puis tout. Puis, t'as-tu réussi? J'allais la manger. Non, je suis venu quand je lui ai donné un câlin. Excellent joke. Il avait passé l'après-midi à écouter des audiobooks. Il fallait qu'il explose. Ça faisait 4 heures, il était bandé. Eh oui. Maintenant, tu sais, donne-lui une chance. C'était guerre et paix, mais il n'y a que plein de guerres. Mais elle avait un peu peur, ma blonde, parce que, bien sûr, j'ai l'air un peu... T'es super gentil. T'es inoffensif, t'es très gentil. Je sais, mais quand tu me connais pas et tu me vois, je me suis déjà été dit plusieurs fois que je fais un peu peur. Okay. C'est des gens méchants, ça, parce que je crois pas à ça. Ah, OK. Fait que ma blonde est méchante. Non, mais... Toi, il y a quelqu'un qui a juste fait... Non! Et cette personne-là est extraordinaire, d'ailleurs. C'est la mairesse de Gatineau. c'est quoi votre... Quand est-ce que vous avez couché ensemble la première fois? Oui. Cette fois-là, oui. La première fois? Oui. Hein? Quand? La question, c'est quand elle est venue chez moi. Ah oui, est-ce que quand elle est arrivée, est-ce que vous avez tout de suite passé à l'acte ou vous avez discuté un peu non, avant? On a discuté, bien sûr. Je ne suis pas une pute. Ils sont plus polis que nous. Ouais. Non, regarde ça pour les podcasts. Mm. Non, on a discuté, on a bu un peu de vin. Moi, je suis une personne... je suis un peu sauvage aussi, très sexuel, mais je suis aussi très romantique. J'aime ça. J'ai comme mis... Parce que j'ai pas un vrai foyer en bois. Pour faire du feu, en fait. Oui. Comment qu'on appelle ça? Un faux foyer. Oui. Ouais, c'est ça. Fait que là, ce que j'ai fait, je suis allé sur YouTube, puis là, j'ai écrit « Fireplace with jazz », puis j'ai mis ça sur ma télé. On dit que la romance est morte. Mais c'est faux. C'est pas ça. Il faut improviser, là. Oui, elle voilà. Est chez Poseidon. Puis ça l'a séduit. la première fois que vous êtes vus, vous avez fait l'amour chez vous. Ouais. Génial. Devant le feu de foyer avec du jazz. Ah oui, devant le feu ou vous avez changé de pièce, non devant le feu? On a commencé au feu, ouais. Oui, on a okay. Changé de pièce après. C'est quoi les endroits bizarres? Puis là, en partant du comment on dit living room? Un salon. Le salon. Quand on partait du salon, j'augmentais le volume en même temps pour que je l'entende juste à ma chambre. Ah, OK! Avez-vous déjà fait de l'amour dans ton char? OK, comment ouais. Tu fais l'amour dans ton char? En avant ou en arrière? En arrière, bien sûr. Moi, okay. Bien sûr, comment ça? Ah, mais moi, je trouve ça moins spacieux. Ah, pour vrai? Oui. Mais non, il faut que tu avances tout le siège. Ah, OK. Bon, ouais, tu avances tout le siège en avant, puis... Fait que là, tu dis, sors du char, faut que j'avance. Oh. Mais honnêtement, il faut que tu trouves un coin tranquille. Oui. Parce que tu sors du char, tu sais, quand t'as terminé. Puis là, genre, ouais. T'es en train d'enlever okay. Le condom, puis t'essuyer, puis tout. Puis t'es juste, j'entends les pantalons au Tu fais tout ça dehors du char? Mais oui. Hey! Ben voyons donc, tu fais un condom dans le char. Non. Pour vrai, tant qu'à ça, va pas une chlamydia, c'est... Ça se gère, là. Va pas une pilule, là. La science a évolué. Je peux pas me mettre dehors, mettre un condom. Non. Je l'ai déjà mis dans le char. Dans le char. Okay. Après avoir Mais terminé, après avoir fait l'acte. La toilette. Parce que tu l'as fait l'extérieur. Fait que tu te laves puis tu dors. Tu prends ton t-shirt, t'es doudan. Tu lèves au moins tes boxers. OK, ouais. Tu sais, puis là, tu sors. Ouais. T'enlèves le condom. Parce que t'es en train de suivre, t'as pas beaucoup d'espace dans le char aussi. Là, ouais, ouais. Puis je veux pas salir mes sièges non plus. T'sais. C'est sûr. Je comprends. C'est extraordinaire. As-tu déjà fait l'amour chez ses parents? Ah. Ça, je réponds pas à ça. Ah! Qui voit que t'as fait l'amour chez ses parents? J'ai jamais fait ça. Mais pourquoi tu dis réponds? Il était quelle heure? Le jour ou la nuit? Le jour. J'ai jamais fait ça, je sais pas. T'as fait de l'amour chez ses parents? Non, absolument. Calisse! Personne avec du respect, Thomas. OK? C'est extraordinaire. Ouais, ça existe. Wow! C'est incroyable.
Ben oui, mais là, ça se peut quand même. Là. Non, 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 pour vrai, non. OK. Ça se peut pas. Non, ça se peut pas pantoute. Ah oui, ça se peut pas pantoute. As-tu des questions sur la vie sexuelle de Bethany? Pourquoi? Non, parce que je suis sûr que c'est bon. Est-ce que t'es dans le roleplay? Tu veux-tu qu'elle se déguise en infirmière de la Deuxième Guerre mondiale, mettons? Ah, oh, ouais! Je veux dire oui, ça. Ah, ça dépend de mon mood. Ça dépend de mon mood, ouais. C'est vrai, hein? OK, okay. C'est quoi ton... Dans quel mood tu veux dire oui? Si je me sens très... explorateur, je veux essayer quelque chose de nouveau. Là, OK. Oui. Ouais. Si je me sens genre... Est-ce que toi, tu porterais des éléments de costume? Ah ouais. Ça dépend c'est quoi. OK. OK? Ouais. Allons-y. Alors... Est-ce que tu porterais... Oui, on va y aller par essai-erreur. Est-ce que... Est-ce que tu porterais... Costume de Batman, oui. Oh! Celui avec les nipples? Oui. Parfait. Tu peux à peine bouger le cou, tu sais. Pour que tu... Il focus. Ah ouais, celui de Batman. Toi, quel super-héros non, tu serais, Tom? Mario Bros. Mario avec la casquette. C'est champignon magique. Toi, ma chérie? Je pense que je serais le octopus là, dans Spider-Man. Celui avec plein de bras. Là. C'est quand même pratico-pratique. Tu peux pogner plein d'affaires. Là. Ben, tu le sens pas vu que c'est pas des vrais bras, mais c'est pas grave. Mm-hmm. Un peu d'imagination. Tu la places avant, là. Chaque fesse. T'imagines baiser un homme, une femme en tant que. Ah non, j'ai pas dit que je baisais une femme, mais moi, j'ai des multiples bras dans le dos. Je comprends. Je peux être une femme, mais octopus. T'as raison. Je sais pas. T'as raison. C'est non-binaire, là, mon très fantasme. Progressiste comme ça. Tu vois, fantasme. Oui, c'est ça. Tu vois, j'étais obligée de prendre genre Poison Ivy, là, tu sais. J'ai aucune idée pourquoi tu disais ce ton-là, mais OK. Mais non, mais tu sais. Mes plantes, mes petites plantes. Oui. Fais-moi l'amour! Prends-moi pendant que je mets de l'engrais dans mes petites plantes! C'est cochon. Pas plus cochon que l'affaire avec les bras, là. Ouais. Je sais pas si j'ai raison avec ce que je veux dire, mais apparemment, les pieuvres masculins lancent leur pénis. Hein? Ouais. Hein? Ouais. Il y a un animal... Je pense... Je suis pas sûr. C'est fou non plus. Je pense. Je l'ai lu quelque part. T'as pas lu ça. Je te jure que je l'ai lu. T'étais sous, puis un gars qui a dit ça. Non, genre sur TikTok, là, genre? Non. Il y a les pieuvres ou une certaine... Une... C'est ah, c'est vrai? J'avais raison! Wow! Ouais, les pieuvres lancent... Mademoiselle, wow! Quand on finit, il coroche à la femelle parce que... Ah, mais merci beaucoup! Il goroche! Il goroche! Ah ouais? On t'inquiète ça, là! J'ai-tu dit meilleure place ou c'est pas meilleure place? Est-ce que... Hey, on n'est pas sûr de quelque chose? Esti! Est-ce que ça revient comme un boomerang? Si ça fait pas sa tâche, là, à l'endroit où il est envoyé. Comme ben non, here. Mais je veux dire, on va pas gaspiller. Combien il faut pénis. Que tu fasses, j'en fasse pousser, là? C'est une vraie question. C'est vrai, c'est brillant comme question. Sinon, ça tombe dans le fond de l'océan, puis là, il y a plein de petits pénis pas usés. C'est ça, au fond de... Peut-être que dans le Titanic, il y a plein de petits pénis de pieuvre. Plein, plein. Ouais, ils montrent pas ça dans le film, évidemment. Non. Hollywood, ils watch. Ils valsent ensemble dans le grand escalier. Avec des petits pénis. Oui. Tu leur tombes dessus. Ou dans le Eros, Eros. Couple 15. Ouais. Dans l'armoire avec les assiettes là, qui sont pas tombées. Là. Mm. Il y a plein de petits pénis. T'es-tu bon à faire des cunnilingus? Si ça me tente, ouais. Est-ce que tu l'as déjà fait puis ça te tentait pas tant que ça, mais tu te sentais ça comme oui, obligé? Ça. Ou t'as dit « m'a me forcer » Non. OK, non. Parfait, super, mais ça, c'est bon. On a tout... Attends, t'es mort. On a tout déjà fait l'amour oral, puis on n'était pas dedans. Moi, oui. Probablement. Je veux dire, on passe tout par là. On passe tout par là, par... C'est fini, là, mais c'est pas très... Non. Probablement, mais je m'en rappelle pas, honnêtement. Et on a tous déjà on s'est tous déjà dit, hey, je suis dans le mood. Puis là, oh, plus, moins de mood, là.
Ouais. Oh. Ouais. Ça arrive à tout le monde, gars. Tout le monde. Ça arrive à tout le monde. Ça arrive à tout le monde. Ça m'est déjà arrivé où je voulais. Ben, attends, tu viens de dire ça, ouais. Mais tu peux juste. Oui, mais okay, c'est. C'est correct. On peut partir du début. Mais c'est vrai que quand tu arrives up close, tu sais, des fois, tu vois des détails que de loin, tu voyais pas, tu sais. Tu respires surtout les détails que tu. Ouais. Moi, c'est. Mais non, mais c'est vrai, ça arrive. C'est, moi, c'est plus l'odeur. Hey, tu rencontres quelqu'un dans un bar à 3h30 du matin, il a fait un effort, tu sais. Oui, mais ça. Des fois, tu peux aller aux toilettes te faire un petit débarbouillage. Pas toujours. Des fois, tu dis ça qui va être excitant. Puis, c'est une erreur. Moi, j'ai déjà vécu le moment où on est revenu d'un bar. J'étais avec mon ex, on est allé à notre appart, puis on a ramené lui, un de ses amis, puis moi, une de mes amies, puis on les avait matchés ensemble. Puis là, on les a ramenés à l'appart en disant, vous pouvez comme veiller dans le salon, puis nous, on va aller dans, puis on vous laisse votre intimité. Puis, quand on est rentré dans l'appart, mon ami est allé dans la salle de bain pour aller faire pipi, mais aussi se passer une petite débarbouillette pour se rafraîchir. Et le gars, il était l'autre bord de la porte dans le couloir, puis il était comme, elle est en train de se passer des barbouillettes. Ça veut dire que ça va se passer. Il était tellement content. Puis là, nous, il fallait qu'on fasse comme, ben oui, c'est le fun. Ben oui, puis ben, nous, on va faire une petite brassée demain. Amusez-vous bien. Pourquoi ce gars-là, c'est pas notre ami? Il a un bel enthousiasme. C'est le meilleur ami de mon ex. Mais tu peux essayer. Ah, ils sont encore amis? Je sais pas, je me tiens pas au courant. Mettons, là, je... Tu peux le DM puis dire, est-ce que c'est moi qui arrive en marchant? Dans tes DM! Je suis le nouveau chum à Steph, mais j'aimerais ça qu'on reste. Parce qu'il paraît que quand tu baises avec des filles, t'es content. T'es tellement content! Qu'il se passe à des barbouillettes. Moi, je trouve, en tant qu'homme, si tu sais que tu vas coucher avec une fille, oui. Le plus d'excitation que t'as le droit de montrer, c'est une petite danse, quand personne te voit. Juste un petit genre... Extraordinaire. Puis that's it, ça termine là. Après ça, il faut que tu... Ouais, à l'intérieur. Je pense que je t'ai vu faire cette danse-là tantôt quand t'as linké ton sel au frigidaire. Oh, toi, les costumes, non? Jamais? Mais j'aime ça être tout nu quand je fais l'amour. Complètement. J'aime ça être tout nu en général. Ça fait rire les costumes, juste être tout nu, là. Ah oui, non, pas d'accessoires. Non, tout nu. OK, tout, complètement tout nu. Tout nu. OK, non, mais j'avoue, moi non plus. Tout nu. Oh, OK. Tout nu. D'accord, oui. Tout nu. OK, oui, super. Tout nu. OK. Nu. Très bien, j'ai noté. Tout. Oui, OK. Voilà. Même les bas. Hey, moi, j'aime ça garder mes bas. Je sais, je les enlève. Tout nu! Attends, tout mais nu. Si sur les femmes, les bas hauts, là, où ça arrive jusqu'aux cuisses, ça c'est cool. Ah non, moi, les petits bas de laine comme ça, là, avec des petits molletons. Je suis bien! C'est ça qu'elle aime! Je suis bien! C'est ça qu'elle aime! Non. Il fait froid! Un peu! On se garde au chaud. Moi, j'aime ça enlever mes bas parce que tu glisses. Comme Tom Cruise, t'as vu? Ouais. Ok, excuse-moi! Comment est ta relation avec les parents de ta blonde? Ah, incroyable. Ah, je t'écoute. Ouais, comment? Je m'entends bien avec les deux. Puis ils sont très gentils, ouverts. Ils sont cool. Son père est cool. Cool. Sa mère est cool aussi. Comment tu leur as expliqué ce que tu fais dans la vie? Ouais, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Je sais pas. Mais comment tu... Non, mais je leur explique que je produis des podcasts, je les anime, ou si je fais la direction... Comment on dit direction? Ton métier, c'est ouais. Directeur technique. Ouais, exactement. puis que je fais les podcasts d'humour, puis tout. Puis c'est tout. Pis... Est-ce qu'ils t'ont demandé de faire une joke quand tu as dit que tu travaillais en humour? Non. Ah, je pense que non. Ils sont respectueux. Ouais. Avez-vous des chicanes avec ta blonde? Ben oui, bien sûr. Ah, c'est quoi vos sujets de chicanes? Ah, c'est stupide. Ah, on t'écoute. Mais normalement, c'est moi, je l'énerve. Genre, je sais pas comment t'expliquer ça. Ben, on a tout à... Je pense qu'on peut comprendre okay, quand même un peu. Des fois, genre, si elle sauve quelque chose pour manger après, oui.
moi, des fois, je vais aller le manger. Oui. Tu manges ses restes. C'est ça. Comme genre, parce que ma blonde, elle est très... elle prend son temps à manger. Oui. Moi, c'est moi le cochon qui bourre la face. Là, oui. Donc là, elle va dire... Elle dépose quelque chose, puis elle dit, ah, je vais le sauver pour après. Là. Moi, j'arrive... Puis je le mange. Puis ça l'énerve. Des petites choses de même. Elle a-tu une job où est-ce qu'il faut qu'elle se mène des lunchs? Tu sais, qu'elle part avec son lunch le matin, genre? Ouais, mais on n'habite pas ensemble encore. OK. Okay. Mais ça, je toucherais pas. Ça, je trouve ça chiant. Parce que je me suis déjà fait manger mon lunch à la job. Ah, moi, j'adorais faire ça. Je mangeais tout le temps les jobs de ceux que j'ai ici à la job. Une fois, j'ai presque claqué une femme. Elle avait mangé ton lunch? OK, check. Check en esti, on t'écoute. OK. Moi, tu travaillais où? Je travaillais en location d'auto pendant 3 années. Oh, t'as de fun. Ah, hey, les histoires que... Mon Dieu, les histoires que j'ai de là-dedans. Ben, une de ces histoires-là, c'est que moi, ce que je faisais, j'allais au Walmart puis je m'achetais des pizzas pochettes, des pogos, des choses que je pouvais garder froid. Comme ça, si jamais j'oubliais mon lunch, j'avais un petit quelque chose pour manger. Parce que manger dehors à tous les jours, ça devient un peu cher. Ouais. Une fois, je pense que c'était une tempête de neige puis j'avais pas trop envie de sortir de l'aéroport pour aller me chercher de la bouffe. Puis je me suis dit, j'ai mes pizzas pochettes. Là, il y avait une fille qui travaillait pour la compagnie qui était dégueulasse. Je sais pas comment l'expliquer. OK. Elle a quel âge? Je sais pas, 25. Oh. OK. Imagine Shrek. Oh. Mais plus laid. Et en femme, et plus court. Genre... Elle était verte? Non. Elle était verte pas en 3D, puis t'es Cameron Diaz, ça va? Mais puis elle pleut en plus, elle pétait sur tout le monde, elle pétait sur tous les employés. Ouais, mais sûr des employés. Elle allait sûr. Ouais, elle montait sa jambe puis elle faisait. Ah! Ouais, c'était une folle là. Ouais. Ah non, c'était elle était puis après est-ce qu'elle partait à rire genre comme pire personne. Non, elle est extraordinaire. Pire personne. Non, c'est la meilleure. Pire personne. Imagine tu travailles tranquille, elle lève la jambe, elle pète. Une fois, on la cherchait pendant 3 heures. Oui. On l'a trouvé dans le stationnement en train de dormir dans son char. Comme ça, là. Mais tout ce que tu me décris, je l'aime plus. Quand tu travailles avec, c'est pas le fun. Puis là, un mané, elle a mangé les pizzas. Mais là, ce qu'elle faisait, elle frappait les autres, l'autre monde. Elle frappait les clients? Les autres employés. Non, les autres employés. Bonjour, j'aimerais louer. Ah, mais il y avait pas une petite sieste. Non, mais pour vrai, elle pétait des crises, elle brisait des choses. Ouais, une fois, elle a brisé tous les claviers juste parce que. Ah. Wow, c'était une. Ouais, je pense qu'elle avait des problèmes de personnalité. Là. Mm. Ouais. Puis là. Où elle s'affirme. J'ai des gaz et je n'aime pas la technologie. Puis là, elle frappait les autres employés. Puis là, une fois, elle est venue. Attends, personne n'est intervenu. À coup de poing. Comme le premier coup de poing, tu fais madame. Non, fini, parce qu'elle était grande même. Puis elle frappait des gars grands comme moi. Là, fait que personne ne disait rien. Ah, les gens prenaient pas ça au sérieux. Ah. Mais une fois, elle est allée pour me frapper. Une fois. Oui. Elle a fait de même. Je dis, si ton coup de poing atterrit sur moi, je te jure, je te kick sur la tête. c'est légitime. Autodéfense, c'est 2022. Là, bien sûr. Ça l'a freiné son envie. Oui. Parfait. Elle a juste pété. Puis là, une fois, j'étais genre, OK, c'était bizarre. C'était comme, on va dire, ça, c'était le comptoir en avant, là, comme ça, puis on travaillait derrière. J'aime le comptoir. Que t'imites un comptoir quand c'est un comptoir. Non, mais c'était. Genre, t'es derrière un comptoir, là. Ouais, la mise en scène est parfaite. On va dire, c'était comme t'es ça. Effectivement, derrière un comptoir, ça, c'est du monde. C'est parfait comme mise en scène. Imagine, j'ai un micro dans les mains, OK? C'est un peu comme ça. Imagine, ma blonde est à côté de moi. OK, ma blonde est à côté de moi. OK, imagine, il y a un comptoir. Ça, il regarde pas ça, là. Imagine, le comptoir. OK, oui. Oui. Puis là, le backstore est juste en arrière de ce mur. Oui, le backstore. Alors, le backstore est en arrière. Ben, c'était pas vraiment un backstore, c'était plus genre... Oui! Oui, parce qu'on s'imagine qu'il n'y a pas de voiture dans ce backstore-là. C'était juste en arrière. Oui. Puis là, j'entends le frigo ouvrir. Oui. J'entends une boîte. Et t'as vu le bruit de la boîte? Puis là, je sais que elle... Oui, la boîte, puis... Je sais que... Oui. C'est la pire histoire. Faudrait que tu fasses des livres pour enfants avec les sons
Et là, il y avait la boîte. Hein? Le chat arriva. Bonjour. Hein? Continue. T'es derrière le comptoir. Non, je viens de réaliser que c'est une histoire à chier. Non, non, non! Non, 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 c'est une grande histoire! Non, pour vrai, non. C'est la manière à qu'on connaît une histoire. Tout ce que s'est passé, c'est j'ai entendu le rappeur en plastique ouvrir. Oui, comme t'as entendu. C'est quoi le. C'est ça, j'ai entendu le bruit du rap. C'est le bruit du. T'as vu que t'as entendu. Oh non, 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 non. Oh non, 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 non. Mais pour... okay, là, le gars, il adore les livres audio. Comment ça, il raconte l'histoire de ma mère? Alors là, nom, 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 nom. Alors, mangez-moi, là, du chat. Puis, il bande. le but, c'est d'exciter, hein. Mais c'est ça, je me suis demandé pourquoi je suis bandé, puis là, j'ai fait mes petites pochettes. Non, j'ai. OK, là, t'es au comptoir. Ouais, puis là, j'entends tout ça, je suis comme... Attends, elle, elle amène jamais de bouffe, elle. Uh-huh. Puis là, j'ai fait, est-ce que la salope a touché mes pizza pochettes? Je voudrais pas. Puis là, moi, je vais en arrière juste pour voir. Puis là, je vois, elle mange mes pizza pochettes. Puis là, elle me ment. Puis je dis, hein, c'est mes pizza pochettes. Elle me dit, non, c'est pas tes pizza pochettes. Puis là, je dis, tu les as eues de où? Puis là, elle pointe à une boîte dans les poubelles. Puis là, la boîte avait mon nom dessus. Attends, t'as écrit ton nom sur une boîte de pizza pochette. Non, mais là, ça, c'est pareil que toi, t'as pas jamais eu de petit job, là. T'écris ton nom. Pourquoi t'as des mains, c'était sérieux? Parce que là, c'est sérieux. Sérieux, soudainement. Là, là, quand tu laisses ton lunch à quelque part, c'est sûr, t'écris ton nom, voyons donc. J'ai-tu tort, tout le monde? Oui. OK, parfait. Non, même bien, quand t'as tort, OK, parfait. Surtout quand tu t'apportes, genre, mettons, un litre de lait pour ton café, t'es comme. T'es mon lait, eh oui. Alors, il y a l'intercast. Pourquoi partager avec des gens qui t'haïssent? C'est la citation du podcast. Pourquoi partager avec les gens qui t'haïssent? Puis j'étais très fâché. Très libertarien, ça. C'est très comme je paye pas d'impôts de parmi. Hey! C'est pour ça que Olivier Primo, il paye pas ses impôts. Pourquoi partager avec du monde que j'haïs? Non, oui, c'est ça. Puis j'ai pété comme une grosse crise, puis je pense que j'ai fait. Attends, oui, ta crise, c'était quoi? Tu criais? Ben, je criais après, j'ai dit, t'as mangé mes petites pochettes, sale pute. C'est une phrase extraordinaire. Est-ce que, peut-être, t'es prêt à considérer que t'as exagéré? Zéro! Non! 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 Puis là, je pense, j'ai tellement pété une crise, j'ai fait les gérants la forcer, parce que je fermais pas ma gueule, je parlais, je dis, mes pizza pochettes, la sale pute, là, mais imagine, qu'est-ce que vous allez juste, faire? Hey, tu veux un petit chop la journée? Hey, va aller chez Enterprise. Tu ouvres la porte, cling, cling, cling. Sale pute, mes pizza pochettes, mon Dieu! Tu me donnes un coup de pied dans la face! Que... Ça, ou pire, là, tu sais, genre, t'as eu une job misérable toute ta vie, enfin, okay. T'accèdes au poste de gestionnaire, puis là, faut que tu gères ces deux employés-là. Non, mais... La pèteuse, puis là, il y a mes pizza pochettes, elle a mangé. Hey. Non, mais là, 5$, je vais t'en chercher d'autres, des hosties de pizza pochettes. Vous voulez imaginer l'environnement de location d'auto? Imaginez The Office, mais en setting location d'auto. Ouais. Mais... Quoi? Ouais. Quoi? Ouais. Quoi? Imagine quelque chose, OK? Mais avec beaucoup d'héroïne. Mais c'est très différent. C'est comme travailler au bureau de poste, OK? Imagine Friends, mais c'est au bureau de poste. Hein? Imagine Friends, mais c'est pas des amis. Ouais. Puis livre la poste. Fait que... Non, mais dans le sens que The Office, il y avait imagine des... Imagine The Office! Mais il y a des chars! Fait qu'imagine... Oui, The Office, il loue des chars... Mais puis il se bat pour des petites machettes. Mais avec beaucoup de drogue. Ah oui, tout le monde... C'est ça, tout le monde est craqué. Là. On dirait The Office sur du crack, travailler dans une location, dans une agence mais de location. Mais j'ai déjà loué des voitures, mettons, à la gare, puis ça s'est bien passé. Ouais, ouais. Au client, ouais. On montre une face normale. OK. OK, on va se dire... Mais dès que le backstore ouvre... Ouais. Chérie, il vient d'un quartier un peu plus punk rock que Laval.
J'ai l'impression que lui, où il travaillait, c'était plus difficile. Je comprends. Les clients, le monde qui travaille là, les passants. Ouais. Plus... Ah, mais c'était pas si difficile que ça. C'était juste, tu sais, le... T'es né là-dedans. Tu fais, c'est normal, juste crier, être misogyne avec une fille parce qu'elle a mangé une pizza pochette. C'est mardi. Fait que là, t'as crié après, ouais? Ouais, j'ai tellement chialé après les gérants qu'ils l'ont forcé, cette fille-là, à aller m'acheter de nouvelles pizza pochettes, je pense. Ouais. Puis quand pour j'ai vrai, reçu... c'est pas une victoire. Je sais que tu le prends comme une victoire, je suis pas sûr. Ouais. Mais qu'est-ce que ça allait dire? Ah, je sais pas. T'as pas eu peur, genre, qu'elle pisse dessus, là? Hein? Mais non, c'était une boîte scellée, là. Ouais, c'est scellé. Ouais, je comprends. Ah. Ouais, il y a pas ça son affaire, là. Injecté. Ça injecte de la pisse avec des petites seringues. Moi, je suis rendue là. Moi, j'arrête à la pharmacie à acheter des seringues. Pisse de... Là, t'es plus à pochette. Ah, mais c'était malade. Je m'en rappelle, quand j'avais commencé là... J'aime que tu digères, soudainement. Je m'excuse. Il y avait un de gérants, il était raciste envers les Noirs. Oui. Ouais, pas comme, tu sais. Mais il était noir. OK. Qui était genre... Oh, les Blancs, on est tous les Blancs, c'est normal. Ouais, excusez? Mais... Les Blancs, on est tous les Blancs. Hein? Comme moi, on saillit. Non, mais à vous, c'est ridicule de voir, là. À vous, c'est ridicule de voir. Genre, à chaque fois, je servais un client noir. Oui. Tu sais? Je le servais, puis là, je demandais mes questions. Puis là, t'avais toujours ce gars-là qui sortait du backstore puis qui me regardait de même. Mais voyons. Puis là après, quand il partait, il s'affrachait, il me disait, tu vérifies ces affaires, là? Ah! Ouais! Puis j'étais comme, qu'est-ce que t'as? Laisse-moi tranquille, le gars, c'est un client, là. Puis, mais juste, dès qu'il voyait des gars avec des dreads, là, oublie ça. Ah! Oublie ça, là. C'était shutdown complet de toute l'allocation, il y avait tous les gérants. Mais qui choisit les employés de ce comptoir-là, man? Puis aussi, ça ressemble pas à ça, les offices. Bonjour, je suis un sociopathe. Voici le comptoir, gérant, voici la petite porte, rentrée. Voyons donc. Mais le gars, à un moment donné, il a essayé de me donner un... Comment on dit? Written warning. Un avertissement écrit. Ouais. Oui. Puis je lui ai dit d'aller se faire foutre. Brillant. Puis j'ai pas reçu d'avertissement. Yo! Puis en plus de ça, les gérants de plus haut placés, ils étaient de mon bord. Ils ont dit, ben ouais, t'as bien dit. Pourquoi tu lui donnes un avertissement? Oh la mort, que j'arrête le podcast, puis je vais vivre là. je serai du monde. Je pense que c'était mon quatrième mois, cinquième mois. Ah, génial. Oh. Oui, parce qu'ils vont... Qui veut travailler là? Personne. C'est génial. C'est une très belle histoire. C'était une excellente histoire. Et on a d'autres histoires à raconter. Oh! Mesdames et messieurs, c'est pour ça que vous êtes là. C'est le moment des dates! Présenté par Eros et compagnie. Eros et compagnie, un sex shop. T'as envie de te masturber, t'as envie de faire l'amour à quelqu'un, t'as envie de pimenter ta vie sexuelle. Eros et compagnie, avec le code promo COUPLE15, t'as 15% sur tout! Alors, vas-y, va sur le site internet, va sur Couple 15 ou va en magasin. Je vais souvent en magasin pour Eros et compagnie. Tous les employés sont extraordinaires. Vas-y, Eros et compagnie, Couple 15. Yeah! Et ils vont faire un beau cadeau à Poseidon. Merci. Ils t'ont écrit une petite lettre. Si tu veux la lire, tu peux. Un petit... Je pense que sur leur petit carton, ils t'expliquent c'est quoi. C'est-tu un fossile? Est-ce que tu fais de la... Est-ce que t'es fan de spéléologie? Cher Cupidon, c'est depuis toi, le temps que tu en veux un, le voici finalement ton masturbateur. Celui-ci est une copie exacte de la vulve de Lisa Ann. Je pense que ma blonde va pas être contente. Je vais lui dire de ne pas écouter cet épisode-là. Puis je pense pas que c'est une copie exacte. Ben!
C'est vrai, hein? Comment qu'on va savoir ça? Bref. En espérant que tu la reconnaisses, bonne découverte. L'équipe Eros. En espérant que tu la reconnaisses, quelle belle note! Sors-la, s'il te plaît. Je veux voir la vulve. On veut 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 voir la vulve. Ça vient répondre. Avec un lien de téléchargement de sa porn à elle. C'est bon? Ben oui, c'est complètement... Eros et compagnie, couple 15, c'est pas ça, niaisage. Le gratuitement, c'est là, une c'est expérience immersive. Immersive, ma chérie, oui. 5 années de garantie en passant. 5 ans? C'est long, c'est long. Je pense que c'est mouillé. Oui, il y a comme un petit enduit. Je pense que ça vient comme power lubrifié, là. Incroyable. Je peux remettre ma manette là-dedans. C'est extraordinaire. Mais c'est merveilleux, ça. Ah, ça, c'est du lube ou je sais pas. Pour l'entretien. C'est juste un condom. Zéro tolérance. Ah. Zéro. Medium density, Jack and personal lubricant. Ah, c'est ça. Un petit... Ça bon, ce ben, c'est, hein? Écoute, c'est merveilleux. Est-ce que tu te moulerais le pénis, toi? Si je quoi? Est-ce que tu moulerais ton pénis? Oui. OK. Bon, ben parfait. Ben c'est réglé. Ben j'ai eu la réponse à ma question. Mais oui. Bon. Question simple. Puis, je le donnerais à ma blonde. Elle aura juste le droit d'utiliser ce dildo-là, aucun autre. Si elle utiliserait un autre, c'est considéré comme si elle me trompe. C'est une joke. Qu'est-ce que tu ferais avec la moulure de mon pénis? Te connaissant, alors tu l'utiliserais pour tenir la porte. Il y aurait la visite, puis il y aurait juste un pénis qui tient la porte. Que, ouais, mais c'est pas... Il veut l'air qui passe. Son Olivier qui a gagné, ça venait dans un petit casing en bois. Puis je l'utilise pour... Quand j'ouvre la porte de chambre, ça fait un courant d'air, je l'utilise pour tenir la porte ouverte. Puis je trouve ça parfait parce qu'il y a un petit poignet au-dessus, fait que j'ai pas à me pencher trop pour le changer de place. C'est épouvantable. Faut travailler fort. C'est... Oui. Veux-tu lire la première date, mon amour? Je vais lire la date. OK. Êtes-vous prêt? C'est une femme que j'ai. Est-ce que t'es prêt, Poseidon? Je t'en ai prêt. Parfait. Bonjour, vous deux et l'invité. D'abord, merci d'exister. Rien de moins. Tellement de divertissement de qualité ajouté à nos vies chaque semaine, c'est précieux. Woo! Avec un petit bonhomme, tu sais, comme deux points, D majuscule. C'est précieux. Ensuite, j'aimerais soumettre à votre examen attentif deux dates étranges, pas tant dans l'objectif de vous allumer comme certaines ont essayé de le faire récemment. Oh, she throws under the bus ses collègues. Mm-hmm. Ou de vous perturber, il y a clairement pire que moi. Oh, damn. Hey, deux statements importants dans la même phrase. Mais plutôt pour avoir votre validation ou votre jugement sévère. Me, qu'elle écrit ensuite. D'entrée de jeu, une fiche d'identification pour Thomas qui apprécie la clarté, 2 points. Merci fille, tellement. 6, hétéro, 39 ans. J'ai enchaîné 3 longues relations de couple de mes 15 ans à mes 37 ans, avec très peu d'intervalle entre chacune de ces relations. J'ai déménagé seule l'an dernier, donc depuis 1 an, comment dire, je profite du premier célibat de ma vie de fille. Ouvre la parenthèse, ouvre les guillemets, femme, ferme les guillemets, je suppose, à 39 ans. Stéphanie est l'invité potentiel. Mettons que c'est une personne qui s'identifie comme fille. Ce n'est pas le cas. Êtes-vous d'accord? 2 points, le mot « femme », entre guillemets, c'est tough à assumer quand même. Bref. La fille est mêlée, man. Ça sonne comme quelqu'un, là. Tu sais, dans les magasins, quand tu dis « Est-ce que je peux vous aider, madame? » Puis elle fait « C'est mademoiselle! » Je n'assume pas, madame! Bon, ça y est. OK. OK. Fin de la parenthèse. Adulte, point. On a déjà oublié le début de cette phrase-là. C'est pas grave. J'ai le sentiment d'avoir du rattrapage à faire en tabarnak et je m'arrange pour en profiter. Sur OkCupid, je joue franc jeu. Je suis non monogame éthique. Autre parenthèse. Ça... Il y a quelqu'un qui a juste fait... Ah!
Ah! Oh, merci de te parler pour tout le monde. Ah! Quand est-ce que tu sais, c'est un gars qui bande pas, mais ah ouais. Abouti! Ça, c'est comme... pas un cours de morale! Ça, c'est comme quand, à place d'avoir des footnotes, il y a des endnotes, puis t'es comme, je vais jamais aller jamais à la fin ça, voir non. Qu'est-ce que tu veux dire, là. OK. Il continue quand même. Mais là, elle a dit ça, ça veut dire que je parle de tout le monde à tout le monde, aucun secret. Fin de la parenthèse. OK. Et je cherche du monde ouvert à la non-monogamie éthique. Parenthèse. Je confirme 2 points. Ça existe des couples ouverts avec du monde désirable. Hé, hé, ça, c'est pour toi qui a dit ça. Juste dès qu'on n'est pas laid. Par contre, ça existe aussi des dudes qui veulent juste tromper leur blonde. Fucking. Fin de la parenthèse. C'est pas moi qui le dis, c'est la fin de la parenthèse. Et je cherche des relations légères. À part, ben. But I'm the heaviest person on earth. Ah, elle est obèse. Non, c'est... Ah. C'est pas, non. Woo! Okay. Quand tes textos virent pas chaud assez tôt, je décroche. Elle est complètement unhinged par je marche dans tes DM, c'est sûr. Ou ça l'excite parce qu'elle veut utiliser les pieds. Ben oui, c'est ça, c'est sûr. OK. Mais il faut savoir écrire un peu et m'allumer avec des mots autant qu'avec des images avant qu'on se voie. Le Poseidon serait parfait. Oui. Elle veut du sexting avec pièces jointes. Elle devrait commencer par s'améliorer, par contre. J'ai rien compris jusqu'à maintenant. À sa défense, elle n'a rien dit. Il arrête à comprendre. Il arrête, t'es pas... Ça sera pas à l'examen. C'était le sujet amené. Oui. OK. L'hiver dernier, je trouve un candidat parfait. T'aurais pu commencer comme ça. Mais elle a dit... pour revenir 2 paragraphes avant... Elle dit qu'elle fait une fiche d'identification pour toi. Fait que c'est ma faute. Mm-hmm. Merci. Désolée. Okay. Alors, l'hiver dernier, je trouve un candidat parfait. Très vite, notre correspondance s'enflamme. Beaucoup de photos et de vidéos échangées. Fais-tu vidéo, toi, ou juste photo? Ça dépend. T'as dit oui, point ça. T'es rendu avec la personne. Mais oui, pour répondre c'est à ta question. C'est beaucoup de mots pour dire oui, ça. Oui. Okay. Mais pas juste... Quand tu commences, là, c'est un peu bizarre. Ouais. Les vidéos. Ouais. Tu sais, tu peux faire un peu des petites photos de genre. Des lives? Des photos live? Non. Comme genre une photo genre en boxeur. OK. Si tu vas nu tout de suite, c'est. Je sais pas. Ou c'est un statement. C'est moi, je dis un spa, Galis. C'est moi tout nu. Mais moi, j'aime ça builder. Je comprends. Tu comprends? Tu commences par. Je suis en jeans, mes jeans sont déboutonnés. Quoi? Il aime tellement les histoires. Comment ça, jeans? Tout le temps, un petit scénario? Continue. Tout le temps, un petit scénario. OK. Alors. Les dames, tu fais partie de ça? Non, je suis une femme. Ah, c'est vrai. Mais c'est lourd. Ceux que ça excite, voir une photo d'un gars en jeans en sexting. Wow, il y en a une qui a l'excite dans le Chris. OK, il n'y en a pas beaucoup, mais ceux que ça excite... C'est noté. OK, bon. Beaucoup de photos et de vidéos échangées, parenthèse, mais je ne vois jamais l'entièreté de son corps. Ferme la parenthèse. Il sait accorder ses participes passés, étant donné mes critères quand même basic, je suis séduite. Mm. Après une semaine d'échanges de messages très, très hot, on se parle de nos fantasmes non réalisés. On fait 0 date standard. On y va pour la satisfaction des fantasmes. Les siens... fastoche, les miens plus difficiles. Qui aurait cru que ça allait être difficile avec elle? Pas grave, j'ai du rattrapage à faire, des expériences à vivre, fait qu'on y va. Première date, son premier fantasme. Il a toujours voulu ouvrir la porte d'une inconnue. Ah, c'est bon! Ah ben, j'ai mon voyage. Quoi? 5 paragraphes pour qu'il ouvre une porte! Il veut savoir de la malle! Il veut savoir de la malle par une nouvelle! J'en peux plus! Tu l'excites sur Uber Eats.
Fait qu'elle veut juste faire enculer, genre? Ou... C'est alors, maintenant! Attends, j'ai aucune idée comment t'arrives à cette conclusion-là. J'ai aucune idée comment t'as pris les éléments et t'as fait « Elle veut se faire enculer! » J'ai aucune idée! Moi non plus! Elle veut se faire enculer! C'est, que... ah, okay. C'est ça la non-monogamie éthique, là! Je pense faire enculer. Oh non, pas vraiment. Il a toujours voulu ouvrir la porte d'une inconnue qui l'attendrait au pas de sa porte. OK, j'ajoute, excuse-moi. Mais oui, c'est trouvé. Bon, là. Au pas de sa porte, nu, à quatre pattes, les yeux bandés, et qui le sucerait goulûment. Mais oui. Il ressortirait dans le monde extérieur. C'est meilleur se faire sucer à contre-gré, comme « Ah, tabarnak! » Il ressortirait dans le monde extérieur plein de l'énergie, un peu weird, lié à ce qu'il viendrait de vivre et qu'aucun inconnu sur la rue ne pourrait soupçonner. C'est excitant. Okay. C'est excitant. Spoiler alert, ça s'est fait. Bon, il m'a envoyé une photo de son visage extatique par la suite. C'est drôle. C'est bon, ça. Ça a ri. J'ai juste pris une selfie. C'est la ligne orange. C'était bon! OK. Puis une autre pendant qu'il mangeait un hot dog dans un fast-food pas loin de chez nous. Ça n'a pas rapport. C'est tellement pas égal. Elle, faut qu'elle... Elle est à quatre toute, pattes. Elle est à quatre pattes. Elle s'est attachée elle-même. Elle s'est bandée les yeux. Elle l'a sucé. Elle, qu'est-ce qu'elle a en retour? C'est pas juste. C'est pas juste. C'est pas juste! C'est pas juste! Deuxième date! Ah non, il faut que je finisse ça, madame. Là. Il rêvait qu'une fille arrive chez lui pendant qu'il est sur sa mezzanine. Quoi? Mezzanine! Qu'elle se déshabille, se mette en état de disponibilité, les yeux bandés, tiens, on sent le petit patin, et qu'il descende ensuite pour la prendre dans les règles de l'art. Spoiler alert, ça s'est fait. Tout s'est bien passé et dans les règles de l'art jusqu'à ce qu'il m'enlève le bandeau de sur les yeux. Ah, ça part. Je ne vais pas entrer dans le physique shaming. Mais ouais. Tout le monde est beau, paraît, comme en parenthèse, si on les regarde de la bonne façon. Mais dans ce cas-ci, on parle quand même de quelque chose de proche de Quasimodo. Ça y est, ça part. Qui mesurait 6 pieds 4. Trop mince de partout, sauf du bide trop gras. Le dos fucking étrangement courbé, une barbe mal gérée et un corps bancal. Il n'y a rien qui avait l'air de fitter sur ce corps-là. Je finis ma besogne. On a jasé brièvement ensuite. Je suis partie. Et puis, je lui ai écrit un message. Mais là, elle avait... Quand il prenait des photos... Je sais, je me suis mêlée. Oui, mais elle a pas... C'est l'ensemble qui est fucked up. OK. Je lui ai écrit un message poli le lendemain pour expliquer qu'on n'allait pas se revoir. Morale de l'histoire. Les gens. C'est vous autres, les gens. Ne vous laissez pas séduire par des beaux sexes ou des beaux sourires en photo. Le reste de l'affaire importe aussi. Oh. Sondage! On est rendu léger marketing, mon amour. Est-ce que le fait que j'ai réalisé les deux fantasmes de cet inconnu avant de l'avoir vu et les yeux bandés fait de moi une traînée? Je pense pas. À mon avis, pas du tout. Non. C'est mais quoi, non, pas du tout, c'est le fun. C'est quoi une traînée? Une pute. Et puisque la réponse est oui, est-ce ben que non. Ça veut dire que je suis une mauvaise personne? Non, deux questions. T'es pas une traînée, t'es une bonne personne, mais tu peux. T'es beaucoup de tête. J'attends votre input avec impatience. Merci à l'avance de me valider. Continuez votre beau travail. Non, on te valide. Continue à être bandé les yeux puis sucer les gars dans les halls d'entrée puis qui t'envoie des photos d'eux à Belle Province. Juste, c'est parfait. T'as la sexualité que tu veux. Y a pas de problème. Tout va bien. 100%. Je paierais très cher pour voir la photo du gars qui mange le hot dog. Moi aussi. J'aimerais ça. Oh, là. Ça, j'aime ça. Vas-y. On repart. Êtes-vous prêts? Ça, c'est aussi une femme, je crois.
Bonjour, merci de me lire si c'est le cas. Je suis très fan de votre podcast, Bonhomme qui sourit, mais lui comme ça. La date Tinder que je vais vous décrire se passe en janvier 2019 pendant une grosse tempête de neige à Montréal. À cette époque, j'en étais à mes premières expériences de dating sur les applications de rencontres, sortie tout droit d'une relation de 7 ans. Je ne savais pas trop ce que je cherchais. Je match avec un gars, le courant passe relativement bien via texto. On décide de se rencontrer assez vite et de faire la date chez lui. Pas le meilleur move, mais j'étais partante pour qu'il se passe plus si affinité. Okay. Tout bien dit. Parfait. Fait important, deux points. Je venais tout juste de me faire une entorse au pied. Et je portais une botte de maintien. Pourquoi, madame? Pourquoi t'as pas ouvert avec ça? Ah, j'avais 7 ans. Mon ex, le problème, c'est la communication. Et je sentais vraiment que j'avais envie de mourir sexuellement, mais je sais pas vraiment comment. En passant, j'ai un œil de pirate. Ah, mais tu te souviens-tu quand ça faisait pas longtemps qu'on sortait ensemble, puis t'es parti jouer au basket, puis là, chez vous, puis là, mon cell sonne, c'est lui qui m'appelle, puis là, il fait juste « Je viens de me fouler la cheville! Je m'en reviens! » Juste comme « Qu'est-ce que je peux faire? » Les rentre dans la maison. Je l'ai envoyé chez l'ostéopathe, il est revenu avec des béquilles, puis là, t'es utilisais pas, puis là, ben depuis, ta cheville est... Elle l'a jamais réparé. Elle coule ma cheville, ça va bien. Hey, t'es assis. À chaque fois que t'es assis comme plus qu'une heure, t'es comme... Ça, je pense. Là, quand le monde te demande, t'es-tu correct, t'es comme, je suis bien. C'est juste que je joue beaucoup au basketball puis mon corps est ruiné. J'ai dit ça il y a une heure. Exactement. Je pense que c'est lié. Est-ce que t'as mal à certaines parties de ton corps? Ouais, en tout temps. C'est vrai? Ouais. Lesquelles? Mes pieds, mes genoux, mon épaule. Oh! Gauche. À cause du sport? À cause de quoi? Je me suis fait mal. C'est la fille qui me battait. La fille des pizzas pochettes? Sport, je me suis fait mal, j'ai tombé. Une fois, je me suis fait frapper par un autobus. Oh! Ouais. Pourquoi t'as pas commencé par ça? Pourquoi le sport? Mais c'était pas intense, c'était juste du côté. Le côté d'autobus m'a frappé. C'était pas un autobus genre... Est-ce qu'on veut des détails? Ça Aiden, comment c'est arrivé? J'avais 15 ans, puis je payais pas attention quand je croisais la rue, puis là, l'autobus, il tournait en même temps. Oh. Puis là, j'ai comme continué à marcher, puis il m'a pas vu, puis I guess, genre... Ou t'es qui t'a vu? Ben... Puis là, ça m'a comme frappé du côté, puis j'ai comme tombé par en arrière. Puis le gars, il pensait qu'il m'avait complètement, genre, roulé par-dessus, mm-hmm. parce qu'apparemment, une des roues a comme, genre... J'étais vraiment levé? Gros avant. Apparemment, fait qu'il a eu peur, il était comme, es-tu correct? Puis là, j'étais comme, ouais, oh. Puis là, mon coude, mon épaule a juste commencé à faire comme un. Ah! Ouais. Puis il fait ça. As-tu poursuivi la ville? Non, j'avais 15 ans. T'as utilisé aucun recours? Non, mais je savais pas que je pouvais, c'est ça la question. T'es-tu allé à l'hôpital ou t'as fait, ah, je suis en retard pour mon Zéro. Cours de musique? Je suis allé à l'hôpital. Une fois, mais c'était vraiment grave, là. Ben, c'est grave, tu fais rentrer dedans par... Deux fois. Nous écoutent, si tu fais rentrer dedans par un autobus, va à la clinique. Fait qu'est-ce qui était plus grave que ça? Ah, ma cheville droite. J'ai presque déchiré le tendon. Oui. Puis... Qu'est-ce qui s'est passé? Ah, je jouais au soccer, puis un gars m'a donné une... Un tacle. Non, il a mis son pied. Oui. Pendant que je faisais un move cool. Un tacle. Parce qu'il était, tu sais, ouais, c'est ça, il était jaloux de mes skills. J'ai pas dit ça, mais. Oh oui, comme tu viens de dire, il est jaloux puis il me trouve séduisant. Ah, quoi? Non, puis là, j'ai tombé avec tout mon poids sur ma cheville. Oui. Puis ça a fait. Oui. Puis là, je suis allé au docteur. C'est. Ouais. C'est pire se faire rentrer dedans pour un autobus. C'est vrai qu'il y a plus d'animosité envers le gars de soccer. Mais parce que j'écoute une game de soccer à Coupe du Monde. Mais je vois ça. Je fais, ah, ça arrive, lève-toi. Si un autobus rentre sur le terrain, il frappe un joueur, là, faut intervenir, là. Ouais, mais il roulait pas vite, l'autobus. Hein? Il roulait pas. Il tournait. Pourquoi tu défends l'autobus? Oui, il y a tellement de compassion pour pourquoi l'autobus. L'autobus, il a fait du mieux qu'il pouvait. Là, tu vas arrêter de critiquer l'autobus. Tu sais pas de qui tu parles. Hein? Quoi? Non, parce que je me suis levé, j'ai fait... Ah, je suis correct. Puis
Ah! Puis là, à ce jour, c'est encore l'épaule qui fait croc, parce que tu n'étais pas défoncé sur l'adrénaline pour pouvoir survivre à cette épreuve. Puis le pied, je pouvais plus marcher. Fait que je me suis dit peut-être... Puis génial. C'est l'affaire la plus grecque que j'ai jamais entendue. Parce que l'affaire de soccer, c'est grave. L'autobus... Tu pouvais plus marcher. Ouais. Oui, tu peux marcher. Je pouvais plus marcher. Oh, oui, ça va, oui, oui. Est-ce que tu as eu une botte de maintien? Non, j'ai eu un plâtre. Mais un plâtre cher que je pouvais prendre mes douches avec. Oh, wow! Ouais. Déjà living the VVIP life! Depuis un jeune âge! Extraordinaire. Retour à la femme à la botte. Elle dit que sa date était au courant qu'elle avait une botte. La phrase, c'est « ma date était au courant » pour l'exclamation. Bon. J'enfile. J'arrive en taxi chez ma date et il m'accueille de façon très chaleureuse afin que je me sente confortable avec ma botte aux pieds. Rien à redire. Je découvre tranquillement son appart et je vois qu'il est très fan de figurines en tout genre. Mmh. Du Seigneur des Anneaux au gardien de but des Maple Leafs. Je sais de qui tu parles. La parenthèse? À l'écran de parenthèse, Burke. C'est extraordinaire. Il les a toutes exposées dans des grandes vitrines. Il a même une statue géante d'un des Power Rangers. Une statue géante d'un des Power Rangers? Quand même cool. Ah, oh, franchement! Morphin time! OK. Il se met à me parler de chaque figurine et des prochains articles qu'il veut acheter pour compléter son Power Ranger. C'est même qui ouvre. Pour le moment, rien de spécial pour moi. Je respecte sa passion. C'est bien correct. Elle trouve pas ça spécial. Puis vous, nous autres non plus. Hostie de ville de Gatineau du Christ. Le monde. Ouais. Ils ont tous un Power Ranger géant à la maison. Il y en a un là-bas. C'est quoi le problème? Oui, oui. On s'assoit finalement sur son divan et on se met à placoter. À ce moment, les choses commencent à devenir bizarres. Oh oui. Il se met à me poser de drôles de questions du genre. Deux points. Si je mettais une ligne de coke sur la table right now, est-ce que t'as frais? Relax. Si je t'offre du moche, on en consommerait-tu? Dans ma tête, je me dis « fuck ouin », mais je sens qu'il aimerait une réponse négative de ma part. Ah, comme si la teste. Ouais. Okay. Regarde, tu connais, t'as jamais croisé des filles, là, mais ça, c'est le truc. On croise toutes les filles de même. Oui. Première étape, tu y montes tes figurines. Oui. Deuxième étape, tu dis « je suis ascendant poisson ». C'est important que tu connaisses tes ascendants. Oui. T'sais. Troisième étape, tu ferais-tu de la coke? Non. On fait l'amour. Tu ferais une bonne mère. Bon. OK, il prétexte qu'en étant ambulancier, il voit beaucoup de gens qui se détruisent. Et c'est pour ça qu'il demande. Je comprends, mais c'est un peu intense pour une première date, surtout sur un ton accusateur. Je suis déjà un peu turn-off, mais bon, je reste. Arrivé à un certain moment, il me dit qu'il adore la série District 31. Yes. Et qu'il ne manque aucun épisode. Yes. Je lui mentionne que pour ma part, cette série ne m'intéresse pas, mais je lui cite d'autres séries que j'aime pour partir une conversation. Je sens qu'il ne m'écoute pas vraiment. À ma grande surprise, il allume la télé pendant que je parle et procède à mettre à l'écran sa série préférée, District 31. Ah, oh, il est extraordinaire! Ah, oh, il est délicieux! Il est délicieux! Chut! Gildor parle! Je suis bouche bée devant cette action. Je ne sais pas quoi dire. Il me fait comprendre qu'il aimerait regarder l'épisode de ce soir et qu'on pourrait en parler entre les pauses. Génial. Ce fut le 30 minutes le plus malaisant que j'ai connu lors d'une date. Je me dis alors, OK, je décalisse. Je vais donc aux toilettes avant d'annoncer mon départ, mais je vois par la fenêtre qu'il y a énormément de neige et qu'avec ma botte de maintien, j'avais oublié ça, ça va être chiant. J'essaie de me caler un taxi, mais le temps d'attente avec la tempête est de 45 minutes. On est dans l'est profond de la ville. Entre-temps, l'épisode de District 31 est fini et tout content d'avoir écouté son épisode, il me propose de jouer à Mario Kart Drunk. Explication, but 2 points, boire ta bière au complet avant de finir les 3 rounds. J'adore ce jeu. Là, elle écrit « J'adore ce jeu ». Okay. Un point en commun. Je me dis, bon, fuck that, je vais essayer d'avoir du fun pareil avec le gars spécial. On joue et on boit en masse. Avec l'alcool qui coule à flot, il commence à me faire des avances et j'avoue que rendu là, je les accepte. J'avais bien envie de sexe après de longs mois de sécheresse. On commence... Ah ben, es-tu avec ou sans la botte, selon toi? Je pense qu'il faut qu'elle la garde. Ah oui, il faut qu'elle la garde en tout temps. Il faut. Oui, il faut.
Pour les deux. Pour les deux. Comme ça, elle, elle peut dire, hey, j'ai fourré avec une botte. Puis lui, il dit, yo, j'ai fourré une fille avec une botte. Ça fait une histoire. C'est bon. On commence à s'embrasser et c'est agréable. Puis il me dit à l'oreille qu'il a un truc qui le turn on pas mal. Deux points. Les pyjamas One Piece. Tu sais, ceux qui s'attachent en avant de la tête. Jusque de la tête. Ouais. Jusqu'à la fourche et qui couvre tout le corps. Sans attendre ma réponse, il se rend à sa chambre. Je me dis, that's it, je vais mourir là. Je pourrais même pas courir avec ma botte. Il en ressort habillé d'un pyjama One Piece de singe et en tient un deuxième dans sa main. Il me fait savoir qu'il aimerait beaucoup que j'enfile le One Piece sans rien en dessous avant de me faire l'amour. Je trouve ça weird en esti pour une première date. Mais, you know what? Je l'ai fait. Est-ce que vous pensez qu'elle a eu de la misère avec sa botte de mettre le... C'est sûr, man! C'est sûr! Elle dit titre du porno 2.2 singes en pyjama. Au final, une très bonne baise. Jamais revu cet homme pour des raisons évidentes. Ben là... Un beau pitch, mais une belle expérience à raconter. Merci. Grand date. Wow. Wow. Ça va être la dernière, mon amour. OK. Une dernière pour la route, la gang. Yeah. Mais en tout cas, il y a une autre après qui pourrait être... Ben d'abord, tu veux qu'on sorte tout de suite à celle-là? Faut que tu choisisses. Les deux. Il a raison. On y va. OK, celle-là a un titre particulier. Salt, Sand and Tears. Oh, shit! L'histoire commence en juillet 2018. J'étais une jeune fille de 20 ans qui était naïve, seule et peu confiance. Confiante. La trifecta des relations amoureuses... La trifecta. OK. Sorry. Trifecta, c'est ça? Je sais pas. J'ai rien dit. Je sais pas. J'ai rencontré le mot, puis je j'ai pas coupé. OK, c'est pas grave. La trifecta des relations... C'est bien meilleur, le même! Qui commence et finissent mal. Dans mes heures de désespoir pendant l'été, je m'inscris sur Tinder dans le réel but de trouver l'amour et de me sortir de ma solitude. Trouver les 7 erreurs dans la phrase précédente. Comme je vous disais, j'étais naïve. Je tombe sur un garçon qui est musclé et clairement un fuckboy. Yes, sir. Je me dis, parfait, ce gars-là veut sûrement une relation sérieuse, parenthèse. Non, mais à quoi je pensais? Fin de la parenthèse. Notre première date se passe au Juliette et Chocolat et tout va relativement bien. On se pose des questions classiques de date et jusque-là, je ne vois aucun red flag majeur à part le fait que je ne suis pas vraiment attirée, mais je me dis que ça va peut-être se développer. Répète ça! Elle voit aucun red flag majeur à part qu'elle a pas vraiment d'attirance. Ah! Mais elle se dit que ça va peut-être se développer. OK. Moi, je pense qu'elle n'était pas attirée parce qu'il n'avait pas de red flag. Tu penses que... C'est très drôle, mais ils s'en viennent, les red flags. Pour notre deuxième date, je propose d'aller à la plage d'Oka. Puis elle dit « shout out ». Shout-out, OK. T'as mis votre bain, c'est fun. Oui. OK. Il vient me chercher et on part. Je porte une jupe en jeans avec mon maillot en dessous et quand on sort de l'auto, je sens qu'il me regarde de haut en bas. Je sens qu'il n'aime pas trop ce qu'il voit. Il ne dit rien, donc je fais comme si je n'avais pas remarqué, mais je ne suis pas trop confortable. Mais elle a une jupe en jeans. Oui, avec son maillot en dessous. Pas de problème. Oui, c'est ça. T'aimes pas ça? Ça, c'est le red flag. Qu'il aime pas ce look-là? Non, qu'elle est habillée de même? Oh. Vous aimez pas ce look-là? Il fait des blagues sur un podcast humoristique. Mais là, c'est parce que je suis en train de remettre en question toute ma garde-robe, est-ce que... Là, dis-moi là tout de suite, ça se fait pas! L'été commence! On arrive à la plage et honnêtement, c'était vraiment un bel après-midi. On a même mangé une poutine après! Super! Et là arrive le temps où on commence à s'embrasser dans son auto. La situation escalade un peu trop rapidement et on se retrouve sur la banquette arrière. L'endroit de prédilection. De Poseidon. Dans ma tête, il se passe plein de choses. Un, pourquoi est-ce que je me sens toujours pas attirée envers lui? Je pensais que j'étais une personne brisée et que c'était normal de rien ressentir. Ça devient rough, là.
OK, madame. 2. Oh mon Dieu, c'est la première fois que je fais ça depuis longtemps, j'ai peur. OK. 3. J'espère que je n'aurai pas une infection urinaire. C'est ça le trifecta. On n'a pas affaire à une personne anxieuse. Non. Non. C'est pas ça qui se passe. OK. Arrive le moment crucial. J'étais pas trop à l'aise parce qu'on revenait de la plage. Il y avait du sable littéralement dans tous les coins de mon maillot. En tout, je crois que ça a duré 6 secondes top chrono, incluant le temps où il a mis le condom. C'est rapide. Fait qu'attends, il est venu en 6 secondes? Oui. Ouais. Puis ça, ça inclut le temps qu'il met le condom. C'est, ouais. Très impressionnant. Non, c'est tellement... Ouais. Pour vraiment... Un, mais non, ça, c'est pire. OK. J'adore quand tu joues bien comme moi, un si homme. Moi, si j'étais un homme, je jouirais de même. C'est bon. Je peux pas contrôler ça, hein? OK, c'est correct. Je comprends que les circonstances n'étaient pas idéales. Par contre, le post-coït devient encore plus désagréable que le coït lui-même. Je sens que son attitude change drastiquement. On est en route vers chez moi et il ne dit pas un mot. Je commence à pleurer en silence, croyant que j'ai fait quelque chose de mal. Je répète, jeune, naïve et peu confiante. Il voit que je pleure et il arrête le ton en colère. Ouvre les guillemets. C'est jamais bon quand tu pleures puis l'autre est en colère. Et voici la phrase qu'il dit. En majuscule. Arrête de pleurer tout de suite! T'arrêtes? Non! Ferme les guillemets. C'est une bonne idée. Ça, c'est aussi un si j'étais un homme et je chicanais les filles, ça serait comme ça. OK. Moi, je suis perturbée par son agressivité, ce qui me fait pleurer encore plus. J'imagine. Je lui dis en pleurant: tu vas plus me parler! À vous, tu vas me ghoster. Qu'est-ce que j'ai fait? À de la peine. À de la peine. Il me regarde avec pitié. Aye, oui. Et attend avant de répondre. Il me dit « Mais non! » avec un ton vraiment pas rassurant. C'est juste que d'habitude, je reparle pas aux filles qui couchent avec plein de gars. Super gars. Génial. À l'époque, je n'ai pas Sacré utilisé Christ. Mes deux neurones pour comprendre qu'il était en train de me « slut shame ». Voilà. Je sais pas par quel moyen, mais j'ai sorti avec cette personne pendant 3 ans. Woo! On s'est même fiancés. Il m'a plus tard fait remarquer sans gêne que ma jupe en jeans était vraiment laide. C'est-tu pas Poseidon? Et que je ne devais plus jamais la porter. Jamais! Elle va choper des amis avec la robe? Non! J'ai découvert avant de le laisser qu'il m'a trompé. Sa raison pour laquelle il m'a trompé, mon body count était de 5 et le sien de 3, donc il avait le droit de le faire. Derrière mon dos et de mentir, même si après des centaines de reprises, je lui ai demandé s'il m'avait trompé. Conclusion. Si tes premières dates commencent avec toi qui pleure, imagine le reste de la relation. Gang, merci. Vous avez été incroyable. On vous a assez dérangé. Merci pour votre accueil. Merci pour votre amour. Poseidon, merci, Poseidon. On t'adore. On écoute tes podcasts. Merci. Two Drink Minimum. Oui. Two Drink Minimum. Allez-y sur YouTube, écrivez Two Drink Minimum. Patreon.com/Pantelis. On fait des affaires, j'ai mon propre show là-dessus aussi. Quoi d'autre? On fait... T'es en tournée avec Mike, Mike Je suis en tournée avec Mike. Quoi d'autre? On fait beaucoup de choses. Beaucoup de podcasts par semaine. Venez écouter. On dit des conneries, puis on aime rire, puis c'est ça. Merci beaucoup. Gatineau, merci d'avoir été à la hauteur. Vous avez été incroyable. Je vous adore. J'ai hâte de venir faire mon spectacle merci, devant chez vous. Oui. Vous êtes délicieux! Merci à toute l'équipe de la salle Odyssée. Merci pour l'accueil. L'équipe technique, l'équipe d'accueil. Merci au public. À bientôt. C'est incroyable.